Salut, salut tout le monde, on se retrouve sur Valheim. On va essayer de faire le boss aujourd'hui. Le boss des plaines. Est-ce que ça lance le truc hein? Que se passe-t-il hein? Pourquoi est-ce qu'on voit pas là? Ah ça y est. Ça y est, je vois. Le retour est là. Bon. Du coup, j'en étais où? Il va faire nuit, c'est ça? Ouais. Donc je vais essayer de passer la nuit pendant qu'il n'y a pas Hunter. Comme ça. Ça sera fait. Parce qu'il aime pas dormir, lui. Hunter, il aime pas trop dormir. C'est pas son truc. Donc. Le programme pour aujourd'hui, c'est d'aller chercher le dernier totem. Malheureusement, on avait vu que sur notre biome... sur notre biome, t'as toutes les têtes de mort, j'en peux plus. Sur notre biome ici, on avait à peu près tout visité, on n'a pas trouvé d'autres villages. Et salut Mathéo, salut à toi. On n'avait pas trouvé d'autres villages pour trouver notre dernier totem. Du coup, on va devoir aller, je pense, par ici. Il y a un petit biome plein. Il est pas très loin. Donc je pense qu'on va aller faire un tour là-bas, voir si on peut trouver un petit campement et trouver un totem. On avait ramené le coffre. À Ildir qui était là-bas. Là-bas, sinon, il y a un autre biome plein aussi. Donc, normalement, il nous en manque qu'un. Je vais quand même revérifier les emplacements qui se trouvent sur le spawn. Par exemple, j'entends des gobelins. Je sais pas où ils sont. Attendez, je vais réparer mes armes. Non. J'ai deux fers sur moi encore. Tu t'en rappelles, ça y est? Alors, nickel. Impeccable. Donc, j'ai pas mal de flèches. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que je trouve des plumes. Je vais prendre ces flèches-là pour l'instant. On a encore pas mal de fer. On a beaucoup de sombre fer de près. Je pense qu'il y aura moyen. Voilà, on a plus beaucoup de plumes. Si je trouve des plumes, il faudra que je les prenne. Et il faut pas que j'oublie de replanter régulièrement. Putain, la vache, ils sont mis près des locks. Ça, c'est un peu chiant. J'aimerais bien les tamer, cela. Il faudrait qu'on leur donne des à bouffer, mais... Avec les gobelins à côté, c'est pas la joie. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait plus rien, en plus. Oh. Il va falloir que je retrouve du lin et que je plante ici. Ouais, je vais vérifier combien d'emplacements il y avait. Toujours en admettant que ce soit bien ça qu'il faut mettre dessus, hein, je sais même pas. On a débloqué le magnifique bonnet, c'est ça. Et bonsoir, Usgrace Grammy. Salut à toi. Moi, je suis un peu malade. Je parle un peu du nez. C'est terrible. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, non? Oh merde. Attends, j'avais pas mon arme, reviens. J'étais à main nue. C'est le prix de moustique, viens. Oh là, la porte à papa. Ouais, je pense que ça doit être ça. Hein. Ça correspond, on dirait bien des emplacements de totems. Moustique, c'est ta grande phobie, ça. Hey, salut Julien, salut à toi. Salut à vous tous, comment vous allez? Ça fait plaisir de vous voir ici. Il va falloir qu'on refasse à bouffer aussi. J'ai plus beaucoup de soupe d'oignon et tout ça. Je vais voir s'il nous reste du lin. J'espère qu'il nous en reste pour pouvoir le replanter. Parce que je me rappelle que ouais, avec les gobelins nous avaient tout fracassé, les salopards. Notre champ est désespérément vide. Donc ouais, on va faire ça et donc direction les plaines, chercher le dernier totem. Je pense que ça va être pas mal tout ça. Alors du coup, est-ce qu'il nous reste des oignons et tout? C'est un peu le bordel aussi nos coffres. On n'a pas trop rangé tout ça. Ah oui, c'est quand j'avais fait du pain aussi, c'était pas mal le pain. Ouais, le pain c'était bien. Ah c'est bon, on a du lin ici. Je vais pouvoir replanter ça. Et du coup, j'aimerais bien un peu de... un peu d'orge aussi. Parce qu'en vrai, le pain c'est pas mal du tout. Hein. Ah, il y a ta hache qui est là.
Merde, je crois qu'on a plus d'orge. Ah si, c'est bon. Ok, bah ça, on a plein de trucs. Je vais planter tout ça. Ah, j'ai pas vu si on avait des oignons. Après, on en a planté à la base, je crois. À l'autre base. Bon, je vais planter tout ça déjà. Ça sera pas mal. Bah écoute, ça va super, et toi? Je vais replanter tout ça un petit peu. Me refaire à manger et on va aller voir. D'abord le lin peut-être. Je vais faire le tour de mon... de mon champ tordu là. La gueule du truc quand je le plante. Il y a quand même une petite logique, je suis le mouvement. Merde. Orge. Ah oui, c'est vrai qu'on... Il fallait qu'on farme un peu de... De viande, de sanglier, je crois. Pour faire des, de la bouffe... De la bouffe qui donne des PV. Parce qu'on en a plus beaucoup, je crois. Et bah écoute, c'est super, c'est parfait. Le champ, il est pas droit. Il y a plein d'autres trucs qui sont pas droits avec moi. En fait, il n'y a pas grand-chose de droit. En fait, je devrais plus mettre l'accent sur ce qui est droit. Ce sera plus rapide. Parce que si tu calcules tout ce qui est pas droit, bah ça va être super long comme liste, quoi. Donc, je vais aller voir. Il faut que je regarde ce qu'on peut faire comme bouffe. Exactement. S'il y a quand même peut-être des trucs... peut-être des trucs intéressants. En tout cas, le pain, ça me paraît être une bonne idée. C'est vrai qu'on avait un œuf, on pouvait faire pop une poule, je crois. Donc il me faut ça. Je me gourre pas de touche par rapport à une shrouded. Ah, pâte à pain. Ah, pareil, j'appuie sur espace comme une shrouded, mais qui a rien compris. Tu plantes comme tu construis, c'est ça. c'est la vie. Tu plantes comme tu construis. Oula, ce petit m'a fait peur. J'ai fait un machin popé là. Putain. Alors, petite pâte à pain. Non, c'est bon, je peux les mettre comme ça. Je peux mettre combien? En vrai, c'est j'aime bien le four à pain là. C'est hyper sympa. J'ai pas besoin de les mettre là du coup. C'est hyper sympa comme, comme objet, je trouve. Je vais laisser le temps que ça cuise, mais je vais faire attention que ça crame pas. Je sais pas si ça peut cramer, mais je pense que oui. Je vais m'occuper des forges pendant 5 minutes pour finir de manger et de m'occuper de ce bordel avec PZL. Ça marche. Pas de problème. Fais donc. J'ai pas envie de me mettre trop loin. Est-ce qu'il y avait des trucs là-dedans ou pas? Non. J'aime trop le four, il est trop sympa. J'aime beaucoup. Ah, ça y est, c'est vrai. J'aime bien le bruit que ça fait. Oh, regardez-moi tout ce beau pain. C'est incroyable. Et donc ça, ça donne combien déjà? 70 enduits, ça donnait 60. Et c'est beaucoup mieux. Le pain, c'est la vie. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire à bouffer? Pour la vie... Ah, ça, c'est pour la stam encore. 50 HP. Bon, les œufs, non. 45 HP. Ah, il y a ça aussi, la tourte non cuite. Il faut quand même des viandes de lox et tout, c'est un peu compliqué. 40. Ah oui, c'est les saucisses que je faisais. C'est pour ça qu'il me fallait des viandes de sanglier. Les entrailles, on en a plein. Les viandes de sanglier, on en a plus. Ok, deux pains de plus. Impeccable. Donc ouais, viande de sanglier, je vais la regarder dans l'autre base. Ben, molette, elle bug un peu. J'ai embarqué des... du fer. Quoi? Merde, il me reste ça.
Voilà. Ah, c'est bon. Impeccable. Impeccable. Donc du coup... Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est toi, d'accord, ok. Finesse. Ah oui, c'est vrai que j'avais planté des arbres ici. Ah oui, ils sont prêts, ok. On va ramasser tout ça. Genre planter quand même quelques-uns, je pense. Pour la forme. Il y a un petit peu de lag. Ça va le faire. Un beau champ d'oignons. Qui n'est pas très droit non plus. Comme tu l'auras remarqué. Pour le charbon, ouais. Ah, t'as des graines d'oignons? Bah vas-y, ouais, carrément. Si t'as des graines, je mets ça direct. Plutôt que planter les oignons. Allez, donnez-moi tout ça. C'est hyper chiant, hein, bah, si je trouve des trucs imparables. Ah, d'arbres, non, c'est bon, les arbres, tu peux les... Ah oui, non, c'est vrai qu'il te faut l'outil. Faudra que tu fabriques l'outil d'un... Le cultivateur. En vrai, par contre, mes rangées d'oignons, elles étaient plutôt droites, je trouve. Je suis assez fier de moi. Pour une fois que j'ai un truc droit dans ma vie. De Valheim. J'espère qu'on va pas se faire attaquer. Il y a longtemps qu'on s'est pas fait attaquer par des loups ou des conneries comme ça. En vrai, j'aime bien, c'est quand une fois je m'étais fait attaquer par des starlings. Et ça, c'était trop bien. Parce que du coup, j'avais pu récupérer plein de cœurs. Si, fais la vie. N'hésite pas si tu vois des oiseaux, les shooter aussi. Hein. Les pauvres. Alors, hop. Petite graine d'oignon. Combien j'ai d'oignons là? J'en ai 80. Je vais en planter un. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je vais faire pareil le côté. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça me paraît pas mal. Attends, un de plus. Parce que je crois que j'en avais 31. Voilà. Et là, normalement, voilà, un beau stack tout neuf. Là, on est pas mal. Ok, ça c'est fait. T'as ramassé le miel ou pas? Je vais voir. Non. Ramasser vite fait le miel aussi. Ah si, ah, t'en avais juste oublié en fait. Très bien. Impeccable. Donc tu vois, du coup, t'es un peu forgeron, quoi, mon cher Hunter. Donc, je retourne de l'autre côté. Prenez une équerre pour planter, j'avoue. Le projet vidéo, c'est quoi? C'est-à-dire... Quel projet vidéo, dis-moi tout. Je vais refaire quelques soupes à l'oignon aussi quand même du coup. Mais en vrai, on manque tellement de bouffe de vie en fait. Projet de la game. Alors projet de la game, c'est d'aller dans un autre biome plaine qui est pas très loin pour trouver le dernier totem pour invoquer le boss. Tout simplement. Enfin, tout simplement, sur le papier. Ah, mais j'ai encore de l'orge, là. Ah, j'ai encore des oignons aussi. Bon, ça, on est plein de trucs, en fait. Par contre, je vois qu'on a ça, ça... Ah, on n'a pas de myrtille, je crois. Ah, c'est trop chiant qu'on ait pas assez de sangliers. Hein. Du coup, je te montre la carte. Ce qu'on va faire, en fait, on va aller ici. Tu vois, il y a de la plaine. On est juste ici, on a le bateau. On va traverser, on va aller ici, dans ce biome plaine. En espérant trouver un dernier camp de gobelins pour... je vais essayer de te montrer où est-ce qu'il est. Ah voilà, tu vois, on a 4 totems comme ça. Et apparemment, il nous en faut un cinquième pour invoquer. Bah, j'imagine que c'est Yaglut. Yaglut, Yaglut. J'imagine qu'il s'appelle comme ça, le machin. Et voilà. Donc du coup, là, on est en train de se préparer à partir là-bas. D'ailleurs, Hunter, dès que t'es prêt, je pense qu'on va y aller. Hein.
Ok, donc ça c'est parti. Ça va nous faire de la farine et du pain. Qu'est-ce qu'il fallait pour... Je crois que c'est la viande de loup. Parce que ça c'est pas mal comme... c'est assez facile à faire ça je crois. Ouais, viande de loup et miel, ça c'est facile. Faut-il encore avoir de la viande de loup? Mais on a tué plein des loups. Il doit bien en avoir quelque part, non? Attends, on n'a pas de viande de loup? Attendez, je vais vérifier dans l'autre base vite fait. Merde. Ouais, ce bruit, un moteur d'avion, je te jure. J'ai cru qu'il allait décoller le machin. On n'a plus rien là-dedans. Par contre, ça serait bien que je refasse des potions. Des potions de vie. Je pense que ça serait pas mal. Tiens, je vais récupérer ça aussi. Ah, mais il y a encore un peu d'orge. Attends, je vais vérifier ce qu'il faut. Très revigorante. 10 framboises, 10 miel, 4 poches de sang, pissenlit. Ok. Bon, j'ai pas de viande de loup apparemment, malheureusement. Peut-être dans le coffre de la tour. Ah, peut-être. C'est vrai qu'on avait laissé un coffre là-bas, mais je crois qu'il avait tout ramené, Hunter. Je revérifie quand même ici. Non. Bon, c'est pas grave. Alors, poche de sang. Ah putain, il manque 2 framboises. Fuck. Bon, tant pis. Pas de potion de vie pour l'instant. Hunter, est-ce que tu veux que j'aille tout seul au marais, aux plaines, ou est-ce que tu veux que je t'attende? Parce que là, je vais juste aller à un campement de gobelins. Ouais, tu me diras ça. Je dis. Mec, il dit ça juste comme si c'était facile, quoi. Il est mignon. Je vais juste me faire botter le cul par des centaines de gobelins. Est-ce que j'y vais tout seul? Ou est-ce que tu viens de faire botter le cul avec moi? Juste, je vais me dépêcher, d'accord. Par contre, putain, on n'a pas de viande de loup. Attends, c'est trop chelou, hein. C'est hyper bizarre, je vais quand même aller voir à la tour. Parce que là niveau bouffe, on est trop laid, j'en ai rien en viande. On aura dû faire un... J'aurais dû faire un élevage de... un élevage de sangliers, en fait. Je vais vite faire à la tour, voir si on n'a pas laissé les trucs dans le coffre, comme l'a suggéré Julien. Et quand je reviens, on part aux plaines, Hunter. C'est ta deadline. Tu as environ 2 minutes 30. D'ailleurs, on n'avait pas un coffre là-dedans ? Non. Pas de coffre. Donc ça, c'est la tour que l'on a faite. Un lieu qui nous avait été envoyé par Ildir pour récupérer un de ses coffres. On a eu un gros boss, une espèce de chaman qui chevauchait un gros troll. On s'est bien galéré. Mais on l'a eu. Après de multitudes de morts. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans ce coffre? Il y a du lin. Mais il n'y a pas de viande de loup. Hein. Merde, ça alors. Je pensais qu'on en avait tué plein et qu'on en avait plein, mais pas du tout, quoi. Je vais ramener le bois précieux aussi. Faire ça comme ça. Ouais. Ok, bon, j'arrive, Hunter. J'espère que tu es prêt. D'ailleurs, peut-être va falloir qu'on passe la nuit. Je me demande s'il commence pas à faire nuit, hein. Là-bas, il y a 2 locks. Ceux-là, on pourra peut-être les tanner.
Hop, on va replanter un peu de lin en passant. Merde, j'ai pas vu l'oiseau, je l'ai vu qu'au dernier moment. Fuck. Bon, ils sont bien sages là-bas, on dirait. Ok, je vois que tout tourne à plein régime, c'est bien Hunter. Eh bien, on va dormir. Allons faire le dodo. Comme ça, on passe la nuit et on trace à la plaine. Qu'en dis-tu? Il est niveau combien de stuff? Niveau 2, niveau 2, niveau 2. On pourra l'améliorer niveau 3 au pire. Tu m'étonnes. Jouer une main, c'est chaud quand même. Je voulais regarder qu'est-ce qu'il nous fallait pour améliorer du coup. Ah, il nous faut 20 lin et 6 fer, ok. Et le lin, il est en cours de pousse. Il nous reste 13 lin là-dedans. Ah si, il y avait celui-là aussi, il y a 21 lin. On peut faire une amélioration si on veut. Et t'avais un bouclier là-dedans. Ah oui, on a pas mal de piques. Moi, je voulais faire la masse à pique. La masse à pique, elle est où? Port épique. Je peux la fabriquer. Je pourrais la fabriquer. Combien elle fait la mienne? 67. Et ça fait 50 et 42. Je crois qu'elle fait 92 du coup. Ah oui, c'est ça que je me demandais. C'est est-ce que ça prend l'un ou l'autre? Bah écoutez, on va tester. Je vais tester ça. Il aura fini avec le coffre. Attendez, si j'ai besoin des pics. Hop. Il me faut 5 pics. Hop. Il me faut. Ah! Du bois précieux, du fer. Il fallait autre chose, non? Je crois qu'il me fallait autre chose, je me rappelle plus. Mémoire, 20 secondes. Ouais, visiblement, il me fallait quelque chose d'autre. Oh putain, il me fallait du lin. Je me saoule. Oh putain. On va y arriver. Ah non. Putain, je m'en rappelle plus. C'est 10-10, je crois que j'ai pris. Bon. Allez, c'est pas vrai. C'est grave. C'est bon. On va y arriver, on va y arriver. Allez. Port épique. Crée. Ok, on va laisser avec ça, et pour l'améliorer, deux aiguilles de fer, mais c'est facile ça. Je vais l'améliorer tout de suite. Putain, je suis trop lourd. Hop. Bah, si je prends ça, poser ça. Je l'améliore direct, ça me coûte pas cher. Je suis comme toi, je ne retiens jamais les recettes, je te jure. Je suis content qu'on soit. Ah! Faut un établi niveau 7. Oh. On peut le faire ça ou c'est parce qu'il nous manque encore un truc? Ça, c'est pour la table de fabrication. Donc pour la forge, on avait. Ah voilà, c'est là. On avait le soufflet, il y est. La petite enclume, on l'a. La grande enclume, on l'a. Le seau, on l'a. Et ça, on l'a. Ouais, on peut pas améliorer cette. Je pense que c'est après le boss, du coup. Intéressant. Bon, alors j'ai ma grosse masse. Ça va être vite comme l'autre. Il va falloir que j'essaye ça, du coup.
Ok, est-ce que tu es prêt, mon cher Hunter? Est-ce que tout est bon? Et salut, Mathéo. À la prochaine, en tout cas. Merci d'être passé, c'était cool. On y va, Hunter, ou quoi? Est-ce qu'on n'est pas parti là? Ah, je crois que si. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain. Je me suis fait satelliser. Fais gaffe, il y a des. Oh putain, ils sont en train de tout péter. Hunter! Hunter, le moulin! Oh, Hunter! C'est en train de péter le moulin. Le petit enfoiré eut un lag. J'ai cru qu'il m'avait pas touché. Et oui, j'ai oublié de manger aussi. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de bouffe de vie. On n'a plus rien en bouffe de vie, quoi. Il faut absolument qu'on bute des sangliers, en fait. Ils arrivent à me toucher quand même, c'est un peu bugué. Ok, ok. Hop, hop. Allez, viens, on repart là, toi. Du coup, faut que je regarde les dégâts. Je sais pas si vous avez le temps de voir les dégâts. 1 je lui ai fait un critique, mais ça fait un type de dégâts, j'ai l'impression. Je sais pas si ça fait les deux. En fait, il faut que je mette un coup normal parce que je lui ai mis un critique. Que j'essaie sur quelque chose. Ouais, ok. Est-ce que tu es bon, là, Hunter? Est-ce que t'as un peu de bouffe? Des armes? Est-ce que vous avez vos armes? Vous avez de l'armure? Est-ce que vous avez à manger? De la boisson? Est-ce que vous avez des flèches? Des arcs? Apparemment, non. Il est reparti. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des petits oiseaux, là, qui atterrissent, ça? J'aurais besoin de plumes, moi. Quand j'entends des mouettes, il doit y en avoir quelque part. Est-ce qu'on a bien le bateau, là? Oh, on n'a plus le bateau? Qu'est-ce qu'on a fait du bateau? Je me souviens plus ce qu'on a fait du bateau. Ah, je devais le reconstruire, je crois. Je crois que je l'avais pété pour le reconstruire. Ah merde, j'ai ma farine sur moi en plus. Merde. C'est pour ça que j'avais les pots de serre et tout dans le coffre tout à l'heure, j'ai vu. Ah, ça veut pas. Elle est se poser. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour... Je crois que j'ai les clous et tout. Je crois que je les ai vus quelque part. Voilà, c'est un clou en fer. D'ailleurs, les pots de serre quelque part. Ouais, c'est ça. Il me faut du bois précieux. Je crois que j'en ai claqué. J'en ai claqué plein. Ah merde, il n'y en a plus.
Tiens, il va falloir que je recoupe du bois après celui-là. Ouais, enfin, je recoupe du bois précieux, fais chier. Qu'est-ce qu'il me fallait là? 6. Bateau. 40 bois précieux, 40 écorces anciennes. Écorces anciennes, on doit en avoir aussi. J'étais persuadé d'en avoir. Ah, c'est bon. Les 40, elles sont là. Ça, c'est bon. Et par contre, il me faut le bois précieux. Ça, j'en ai plus. Ouais, il en faut 40. Ah, c'est bon, on en a 11 ici. Putain, je suis trop plein. J'ai du bois précieux encore sur moi. Je vais faire des petites pâtes à pain vite fait aussi. Et en vrai, je vais en garder quelques-uns parce que si on a de la viande de l'ox, on peut faire une sacrée bonne bouffe. J'ai vu. Donc j'ai besoin que 10... 10 pots. C'est ça. Hein. Et 40 bois précieux. Putain, faut que j'aille chercher du bois précieux. Je suis en PLS. Attends, je l'ai posé ou pas? Ouais. Ah, oh, fais chier. Non, on n'a jamais assez de bois précieux. Ah là là. J'aurais dû prendre des graines, je suis bête. C'est en train de pousser. C'est parfait. Attends, je vais reprendre ma masse. Je refasse des tests. Ah, là-bas, il y a un gobelin. Il y a un gobelin test. Et viens voir par là. Viens être le sujet de mon expérimentation. Sujet de test. 73, ça a fait là. 69. Et si je mets ça... Viens là. 33, ah ouais, quand même. Ouais, il n'y a pas photo. Ok, il n'y a pas photo. Elle est beaucoup plus puissante. Ok, ok. Bon, c'était pour être sûr. Fallait que je sois sûr. Je pense qu'en fait, les deux dégâts se cumulent. Et ça fait les deux, en fait, soit contendant, soit perforant. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ok, on a du bois ici. C'est parti. Ah oui, mais par contre, il y a un lox aussi. Il y a deux lox aussi. Oh, punaise. Ouais, j'avais commencé à couper du bois ici, mais il y a les lox, quoi. Ils font trop chier. Voilà, il faudrait qu'on les bute, quoi. Pour se faire de la viande. Ça peut valoir le coup, hein. Mais c'est un sacré taf, quoi. Tu veux qu'on essaye de les tuer ou pas? Alors qu'on peut peut-être couper ces arbres-là, déjà. Peut-être qu'on va pas les aggro d'ici. Ah, Hunter. Voilà, impec. Tu m'entends bien, ton micro, ou pas? Ah bah là, je t'entends nickel. Ok, les locks arrivent. Ok, bah faut... Ouais, on les fait un par un, du coup? Ou est-ce qu'on en prend un chacun? Putain. Écoute, là, j'ai les deux, donc... Attends, si je joue derrière les bois, ça marche? Ah oui, ils peuvent pas passer. Ah. Ok, je vais m'occuper d'ici du gobelin. Ouais. Non, j'étais obligé de me le faire à l'arc, je pense. Je pense qu'il peut passer, ils vont péter les petits arbres, je pense. En vrai, je le déglingue. Ok. Oh putain, non. Oh non, oh fou. Oh, il met des tartines. Ouais, il nous faut de la viande de l'ox, je pense que c'est plus intéressant. Oui, ça pourrait être bien. Oh putain, par contre. Attends, j'attends que ma stam remonte. Il y a la deuxième qui arrive. Oh punaise. Ok, j'ai pris l'agro de l'autre.
ça c'est fait. Ambiance. Ils sont grave rapides en plus. Ouais. Attends, est-ce qu'il peut passer là? Oh, il peut passer à travers les rochers. Oh, il les a explosés. Bah, j'imagine. Je sais pas, en fait. Il faudrait que je, en fait, il faudrait que je sache si un ennemi est vulnérable à l'un ou l'autre des types. Et voir si ça lui fait des dégâts max ou pas. Ce serait mon test, quoi. Oh, oh. Putain, j'en fais tellement rien par contre de dégâts. J'en fais du 6 avec l'arc. Ah merde, putain, deux moustiques qui me sont tombés dessus. Oh merde, oh oui, oh putain de merde. Ça pue. Bien, ça ouais, j'étais encore. Tranquille. Ça roule, Usgrez, bonne nuit à toi. Merci beaucoup, bonne soirée, c'était cool que tu sois là. Bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine. Je te jure, ce guet-apens, bazar. Ah, je te jure, putain, j'ai ramassé le fer. Hop. Ok, bon par contre c'est chiant parce que chaque fois on prend de la bouffe et t'es, on t'es mort ou pas bouffe. Ah bah ouais. Ah merde. Putain, j'espère qu'on part à aggro les moustiques. Ouais, je voulais venir un peu pour esquiver les moustiques mais il a réussi à me choper le lox. Oh, chier. Par contre du coup c'est un problème cette situation. Bah ouais parce que les moustiques ils sont rapides. Parce que là ouais, c'est embêtant, ils sont souvent dans ce coin là effectivement. C'est un problème, c'est... Ils sont en train de péter notre base, du coup. Oh non, de cette cabane. Alors... Est-ce que... Ok, ça c'est... Oh putain, oui, ils sont encore là. Putain, je vois les moustiques, mais... Je vais essayer de récupérer mon staff. Ok. Ok, j'ai réussi à récupérer aussi. Équipe. Mange. Et j'ai un truc. Tu penses que c'est ces deux-là qui sont là? Non, je pense que c'est ceux qui étaient à droite. Ils ont dû revenir à leur position initiale. Ah, ok. Oui, ils sont en train de revenir peut-être. On va voir. On va aller voir ça. Ok, ça va. On a réussi à récupérer le stuff facile. Bon, est-ce qu'ils ont repris leur PV? Non, ils ont pas repris leur PV. Ah, bon, pensez. Ah oui. Il y en a chopé qu'un seul, en plus, c'est cool. Ouais. Ok. Ok. Ça c'est bien. Je vais essayer de choper l'autre avant qu'il se barre par contre parce que ouais. Il se casse tout là. Ok, la jeune de box. On va pas là gamin. C'était pour rire. Ok, on a ça. Allez, ici. Tu sais quel film ça, je sais plus mince. Attends, oui, où il est. C'est lui, t'es sûr? Il a... Oh, il a perdu un peu de PV, mais il me semble ouais, que si, c'est lui. Non, j'ai raté. J'ai tout raté. Ah non, s'il vous plaît. J'attends que ma stam remonte. Voilà, je vais la tirer un petit peu pour l'instant. Ouais. J'ai tellement de flèches. Est-ce que je peux lui donner un petit coup? Ah bah si t'arrives à donner des coups, c'est bien. Faut faire attention quand même. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est... Je vais essayer aussi. Il fait mal, quoi. Ah bah attends, il se retourne. Ok, je vais donner des sacrées tartes. Ok. Ok, on l'a bien... Oh putain, il m'a touché là, sérieux? Oh oui. Ah, tiens, je... C'est bon, ça. C'est un loc sauvage et effrayé. Il y a une pluie de pierre en intérieur. Ok. Ah, presque. Ok, bien joué, ça. On l'a découpé. Oh merde, j'ai trouvé un trophée de lox. Ok, on a 9 viandes. Quand on pourra faire un peu à bouffer. Viens, on va essayer de récupérer le bois précieux. J'en ai 11. Il m'en faut en tout 50. Gobelin. Ah, t'as les gobelins. Tu l'as massacré, bien joué. Oh voilà. Merde, il va faire nuit.
Okay. Faire nuit soon. On sort la hache. On va sortir la hache. Et ça va ouais. bien couper. Couper, couper. Donc c'est les blancs, d'accord. Les petits grands arbres ouais, blancs, là. C'est ça. Ok, ok. Là-dessus. Ouais, les petits, ça, hein, du coup. Okay. Les boulots. Alors. Mais effectivement, j'en ai un comme ça dans le jardin. T'es du lox. Ça, hop. Ah merde. Tu me diras quand t'auras une vingtaine de bois, c'est bon. Un petit peu de lag. Oh, ça commence à être la nuit là. Ouais, complètement, il va falloir qu'on rentre. J'espère qu'ils ont pas trop cassé la cabane parce que purée. Oh, tu me diras, des camps comme ça. Des camps à la sauvage là avec petite roue. Oui, voilà. Pour en fabriquer. On a un paquet. Ah, je sais pas. Il y a des drops pas trop fait lui aussi, c'est cool. 35. Ok, je suis plein. Est-ce que t'as 5 bois précieux? Je crois. Oh, tiens, attends, j'ai. Ça eux? Ah, bah, il devrait avoir un nid dedans. Ok, ok. Ok, bah écoute, je rentre à la base, c'est bon, on a ce qu'il faut. Oh oui, on va dormir vraiment. Et cette fois on repart, on y va cette fois. Ouais, j'en ai assez, c'est bon. Faut qu'on avance. Oui. Parce que, en fait, le truc qui va se passer. Déjà, on va invoquer le boss, j'ignore totalement à quoi il ressemble et ce qu'il fait. Viens voir, viens voir. Viens voir. Qu'est-ce que t'as vu? Je suis derrière le rocher, toi. J'ai plein de stamina. Oh, c'est une façon. C'est un petit bug, ouais, bien sympatoche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. On va dire que c'est complexe cette histoire. Oh merde. Tu vois? Ouais, je vois. On peut le taper? Ouais, il fait. Je vois pas sa barre de vie, mais il fait du way too. Ah, ouais, vas-y, on le shoot. Hein. Ok. Je récupère ma stab. Après, ça se trouve, on voit pas sa barre de vie parce qu'elle est dans le rocher. Je sais pas si on va pouvoir récupérer le stuff, mais. Ah, je pense que oui, si t'es à côté, ça va être coupé dans ton inventaire. Ah, il bouge un peu, on dirait. Pauvre. Je sais pas si on le touche vraiment ou pas. Ah, attends, là. Oula, 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 qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah si, on l'a eu en fait. Et moi j'ai rien ramassé, t'as réussi à ramasser le truc? Oh, non. Dommage. Attends, pas de rocher. Allez. Donne-nous le loot. Je te jure. Ce bordel. Alors. Vas-y, vois si tu peux le ramasser, en tout cas, parce que moi j'ai plus une place. Oh, j'ai la place encore, t'inquiète. C'est bien, ça nous fait un abri. T'as ramassé? Ah, j'en ai eu un peu là, j'ai un peu de mythe. Combien t'en as? Ah oui. Ok, ok. Ouais, c'est j'ai 4 morceaux de viande. Ah bah super. Impeccable. Bah voilà, c'est bien passé cette histoire. Bah ouais. J'ai pété l'arbre ici avant de partir, là, parce qu'il est déjà coupé par terre. Ça marche. C'est bien tranquillement d'être coupé. Je reviens à la base moi pour l'instant. Oui. Je vais vider, je vais vérifier ce qu'il faut pour les viandes de l'ox et tout là. J'ai vu qu'il fallait de la farine. Ça, il nous en reste. Viande de l'ox et je sais plus ce qu'il fallait d'autre. Je crois que c'était un aliment assez simple. Ouais, donc c'est pas un truc genre un champignon un peu rare. Ouais, genre les champignons rouges. C'est ouais, ultra c'est chiant les champignons rouges. On n'est pas vraiment dans le coin, il y en a beaucoup, c'est sûr. Il y a du gobelin par contre. Ouais, c'est pour ça qu'il pop la nuit en fait. Ouais, ça va être embêtant. Oh, je vois, ouais. C'est pour ça qu'il faut rentrer. Okay. Ils m'ont vu. T'en as beaucoup, ça va aller ou pas? C'est 3, ça devrait. J'aurais pu y arriver. Faut okay. Juste que j'arrive à me rendre. Et que. Arrête, mais. J'en ai marre. Ils sont là en train de courir comme des idiots. Ah bah ça. Oh là là, je te jure. Oh, c'est... En vrai, c'est.
plus chiant quand il faut comme ça que quand il charge direct. Ouais, grave. Parce que t'arrives pas vraiment à les viser, tu gaspilles ton endurance et après tu te fais éclater. Exactement. Parce que tu peux... Et après ils se retournent d'un coup sur toi et te foutent une grosse tartinade. Et salut Joe, salut à toi. Fait, les guerriers du bord. Comment vas-tu? Bon bah là... Je vais dormir, je vais voir la bouffe là, c'est quoi alors? Voilà. Ouais, bon. Donc, encore. Ah, ça c'est résistance au feu, c'était quoi que j'avais vu? Peut-être celle de vie? Ouais, ouais. Comment elle s'appelait? C'est logique. Oh, attends, on a passé à 6 de confort, c'est cool ça? Ah non, c'était la tarte. En fait, je sais pas ce que c'est une tarte au lox. Une tourte, pardon, une tourte au lox. Attends, je vais essayer. On va voir ce que ça fait. GG pour le statut d'aspirant d'Agoué, merci. Ouais, carrément, ça a l'air vraiment cool, franchement, ça a l'air top. Je vais remettre un peu de bois dans le feu et compagnie. Ça a l'air vraiment top, votre guilde des narrateurs. Ah, il y a... Les gens qui font des petites histoires à côté, là. Ouais, c'est 30 ans. Attends, je crois qu'on doit avoir un stack de ça. Bon, attends, j'ai déjà posé ça là. Ah, mais t'es à poil? Comment ça se fait? T'es mort? Ouais, ouais. Oh, je t'ai dit. Hein. C'est attends, viens, on va dormir du coup. On va passer la nuit pour éviter de se faire attaquer. Ouais, donc je vais attendre. Il y a des ennemis qui rôdent autour. Putain. On se les fasse avant. Ah. Bon, je vais aller dans le lit. Et tu pourras pas en fait du coup. Je crois que j'en ai entendu un autre, non? Il m'a fait peur là. Ouais, je crois que c'est bon, il n'y en avait peut-être qu'un. Mais bon, ah, mais qu'un, voilà. T'en vas essayer. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon, il n'y en avait qu'un. Il y en avait qu'un, nickel. Ouais, vous êtes chill, c'est vrai. Non. Ouais, franchement, une bonne bande de troubles faites. Ah, c'est cool. Ouais, bah du coup, ça y est, je vais en faire partie, la guide des narrateurs. Et j'aime beaucoup votre concept, ils ont un concept en fait où tu donnes un défi, tu donnes un mot en fait, et c'est un défi, il faut que tu fasses une vidéo narrative dessus. Je vois le genre. Donc ça a l'air bien cool, j'ai vu qu'ils avaient fait sur un thème l'argent la dernière fois. Donc là on verra ce que ça donne, mais ça va être cool. Ah c'est bon, j'ai encore de la farine, assassin, et c'était quoi? Putain, je me rappelle déjà plus. Tourte à tourte, elle est où? Ah oui, des plaques bières. Ça, on doit en avoir quelque part. Je reviens. Ouais. Plaques bières, parfait. Je vais y aller, relax, tranquille. Bien, on cherche plus tard. J'appuie sur espace pour créer des trucs comme dans votre chemin. Donc là, ça y est, c'est sûr, c'est forcé. D'accord. Je vais en faire 4 du coup, je pense qu'il y aura 4 places, mais de toute façon je peux en faire plus. Bon, je vais voir ce que font les tourtes. Excellent, j'adore. Les petites tourtes au four. Tranquille. Les petits vikings, ils font leur petite ville. Alors du coup. Les 100 clous, c'est bon. Les 40 écorces. Hop. C'est bon. Les 10 pots. C'est bon. Et bois précieux, du coup, est-ce que tu en as encore 5 sur toi? J'en ai beaucoup. Ok, super. Bon, il faut que je vois un truc, du coup, sur là, du coup, pour ce que je te parlais tout à l'heure. Là, ça ira plus vite si je fais ça d'un coup, comme ça, après, c'est fini. De faire quoi? Je te rappelle par rapport à PZ et compagnie. Ah attends, oui, d'accord. Je balance le bois à côté. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Faut organiser un petit peu mieux, mais bon, moi maintenant il y a déjà plus d'espace pour s'occuper de ça. Je te ouais, mets ça du faire. Coup, la viande de l'os, je te la mets en haut là, dans le coffre en haut à gauche. Ça marche. Attends, je vais mettre des plumes. Je vais mettre une plume dedans si t'as qu'à faire. Du coup, attends, viens avec moi. Tu dois gérer un truc sur un serveur PZ, c'est ça? C'est ça, ouais. Attends, merde, est-ce qu'elles sont prêtes ou pas, ça? Ouais, elles sont prêtes.
Mais je préfère faire ça tant qu'il y a encore les admins, quoi, parce qu'après, tu sais, c'est Ah ouais, souvent ça donne les trucs 75 vies. Ce que je te propose, c'est que tu viennes sur le bateau avec moi. Mmh. Ah bah oui, comme ça Et avance. comme ça, je t'avance là-bas. Effectivement, effectivement. Ok, alors reviens. Ok, je vais juste me vider un peu là, parce que... Ça marche. Après, on a la cale du bateau, on peut mettre des trucs dedans. Oh, mais c'est que là, c'est des trucs en fer, tu vois, J'ai c'est une chiant, idée, quoi, plus sur qu'à la choper le déguisement, tourner et demander, lui voir. Ton équipement est sacrément plus balèze qu'avant. Ouais, là, je suis vraiment pas mal. On a un stuff, bah, l'un des derniers stuff qu'on puisse faire, niveau Oui, c'est 2. très cool. On est vraiment pas mal, j'ai fait une espèce de masse avec des pics. Ah oui, ton truc à base de moustiques. Ça. Ah, c'est pour ça que c'est vicieux aussi. En vrai, est-ce que je ferais pas le bateau un peu ailleurs? Est-ce que je m'étais Oh, galéré puis-je à... une flèche. Attends, la Une base, elle est flèche. où? Je vais par La le stuff base et on est est bon. là. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc plutôt par là? Là, ce sera peut-être mieux. Tout est Par réparé. contre, il va me falloir 10 de bois. J'ai un peu de bouffe. Et le lox, voilà. Mais ouais, parce que là, sinon, ça va durer 10 plombes. Voilà. C'est le problème là. Ah, attends, attends. Razor? Je le vois, tu l'as aggro? Non, non, mais je le vois. Ok, tout va Ok, bien. t'as un... Fais comme si tu l'avais pas vu. Sa vision est D'accord. basée sur le mouvement. Par contre, lui, sa vision n'est pas basée sur le mouvement. Oh merde, attends. Peut-être que je me suis gouré d'animal. Ça semblerait, ouais. Ah, je crois qu'il m'a vu. Il y a un qui essaie de me balancer Mais... des caillasses. Oh merde, j'ai pas de vie. J'ai pas vu que j'avais pas de vie. Tu l'as gros? Non, il faut que je mange Oh vite. Mange, mange. merde. C'est pas Bouge. Il me vrai. balance un arbre. Oh là 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 là. Attends, tu vois, lui, il est vulnérable au perforant. Attends, faut que j'essaye du coup. Attends, je vais manger un petit C'est vrai. truc. Voilà. On remarque que vu la taille du vaisseau, c'est sûr, ça va Ah pas si, c'est être bon, regarde, autant. ça fait les deux en fait. Oh, bah c'est cool ça. Ça choisit le Comment bon peut... en fait. Allez, tap tap tap. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, ça explique par contre pourquoi il y avait autant d'impétés. Effectivement, comme ça, le de la chose paraît plus simple. Canne bois, 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 Qu'est-ce qu'il y a bois. encore? De l'argent. Un Ok. rebut, je m'en fous. C'est bon, j'ai assez. Marteau. Ok. Hop. Établi. On a l'air d'être tranquille. Là, il n'y a plus l'air Va d'avoir faire là-dessus, d'ennemis. quoi. Ah! C'est quoi ce truc là-bas par contre? Ça ressemble à rien, Cette ça. espèce de tour déglingué. Je sais pas, c'est un bâtiment. Je suis pas allé le voir, mais il y avait des dingueries dessus. Bon, ça va encore. Il y a pire. Oh, il y a pire. Attends, il est dans quel sens là? Avoir des moustiques, du coup. J'arrive Ah, pas à ce voir. serait horrible. Ah, si, c'est comme ça. Je pense que c'est C'est comme vrai qu'en ça. vrai. Ah ouais, je sais pas, c'est très cool le pire, un moustique dans un bâtiment, un moustique hors d'un bâtiment. Ok, le bateau est là. Mais bon. Ok, Tu peux, alors, tu peux grimper à l'échelle, tu vois, tu cliques sur Là. l'échelle et ouais. Je n'avais pas vu. Et là, il y a la soute, si tu veux me poser des trucs un peu lourds ou je sais pas quoi. Bon, après, ça va, je suis plus rien. C'est noté. Ok? Alors, Juste... c'est parti, direction prochain biome de plaine pour essayer de trouver le fameux dernier totem. Il faudrait. Je te mets des flèches dedans vite fait quand même. C'est un peu des flèches en fer, quoi. J'en ai Ça peu, marche. mais bon, plus rien. Puis comme ça, tu peux gérer ton truc PZ et au retour, on devrait t'arriver. Mais souvent, quand tu fais deux trucs en même temps, je vois, tu fais ça à moitié bien, ou pas Le lentement. totem final, c'est ça. Est-ce qu'il veut avancer ou pas? Ou est-ce qu'on est coincé? Je crois qu'on est coincé, Jafar. Je pense qu'on avance, mais très lentement en fait. Putain, Jafar, on est coincé. Ah.
Oui. On est totalement coincé, on est embourbé. Oh la gueule. Oh la gueule des Vikings. C'est ça. C'est embourbé, on est pas parti de la plage. Tu parles de... Attends. Allez, mes vaillants soldats. Attends, je pousse. Semez la destruction parmi mes ennemis. Je sais pas si je peux pousser le bateau, c'était dedans. J'ai pas l'impression qu'il veut. Et en fait, je sais pas ce qui nous bloque. Je pense que c'est les roseaux en vrai. Enfin, dans le sens que. Sérieux? Non. On peut les couper ou pas? On Ouais. peut les couper. Oh, attends, il y a un truc qui tape là. C'est moi, j'essaie de pousser le bateau. Ah ouais, je pouvais pas le pousser si t'étais dedans en fait, ah, d'accord. Ah, ça explique ceci. Attends, on va essayer de pousser ça là. Ok, on est peut-être pas mal, vas-y. Essaye. C'est bon? Je sais pas si c'est bon, mais on va essayer. Ça a l'air. Ça a l'air. Il a l'air d'avoir plus d'eau là. Ok, ça va. Alors, on en a des refs de vieux ici. Oula, j'entends des bruits. Tout va bien, tout va bien. Ne t'occupe pas. Tout va bien, ce n'est qu'un Tout rêve. va très très bien. On a le vent en pleine face. Nickel. Par contre, tu devrais t'asseoir. Ah, Tu peux t'asseoir soit sur un banc, soit ouais, tu j'ai peux te cassé la mettre à la gueule. proue du bateau. Non, non, mais Ah carrément, t'as bon? des bancs en fait. Ou au Ah. mât. Après ça, d'un côté, c'est de se faire un truc un peu à la Ah Titanic bah là avec un c'est viking, ultra ça peut être stylé quand marrant. t'arrives. Par contre c'est un peu dur Ah bah de... là, ça va. Je J'aime crois bien. pas que tu sois attaché là. Non. Normalement faut appuyer sur E un truc comme Discret. ça. Franchement, attends, je vais prendre un screenshot vite fait. Allez, hop, moi, plus de temps que ça. Bon, j'attends ma petite réponse là. Oh là, non, là, c'est pas mal en vrai, là, la vue. Parce que je crois qu'il y a On va une prendre un touche où coup là-bas avant il la vue, mais s'accroche au truc comme ça. Bah j'aimerais bien faire du 7 Days to Die, parce que je connais pas du tout. Et Hunter est chaud, Julien est chaud, et puis toi c'était chaud. Je connais pas, enfin je connais à peine le jeu quoi, j'ai joué quelques heures quoi. Pourtant ça devrait être ma cam, hein, mais j'ai pas pris le temps d'y jouer. Donc j'aimerais bien. Ouais, je sais que t'en fais pas mal, c'est pour ça que je me dis que ça pourrait être pas mal. Après, je suis un vrai gros noob. Hein. On a un serpent de mer. Ouais, de bien. Merde. Ça devrait bien se passer, hein, mais. après, techniquement, est-ce que je peux tomber à la mer? Oui. Ça répond à ta question. Oh putain, ah oui, d'accord, ok, je vois. Merde. Ok, T'es j'ai où ce mieux con? vite voir ce qui se passait là, j'entendais tirer. Mais... J'arrive pas à le toucher. Et ici, enfoiré. Oh putain, il nous a. Merde. Oh Il va nous faire plus, ouais. bah ouais, c'est un peu l'idée du machin. Vite, vite, hop. Est-ce qu'on Ouf. pouvait sauter à la mer et le faire au couteau? Je crois qu'on peut pas se battre dans l'eau malheureusement. Ah, attends, j'ai eu. J'ai eu. Moi aussi, j'ai mis une grosse tartine. En fait, c'est nos flèches des fois qui touchent le bateau. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais quoi, mets-toi d'un côté, je mets de l'autre, comme ça, on peut toucher quasiment tout le temps. Et si on peut le toucher deux fois plus. Non, pas tout de suite. Non, il va de côté d'abord. Oh, tu vas me donner de la bouffe et ça, c'est cool. Ça va, Hunter? Et... Est-ce que Ah. tu vois la bête, Hunter? À peu près. Ouais, je suis toujours en train de faire des trucs en même temps. Tu sais quoi, j'ai sauté? Ah, bah oui, hein. C'est bon, le bateau il avance plus. Ok, c'est bon. J'ai ramassé la viande. Nous qui nous manquions un peu de viande, ça sera très bien ça. C'est bien la viande de Ah bah sapin ouais, de mer? c'est excellent. Ça donne vraiment beaucoup de vie. Je crois que c'est un des trucs qui donne le plus de vie. Et j'ai vu qu'il y avait Ouais. même une nouvelle recette que j'ai jamais faite dessus.
À base de viande de serpent. Hâte de voir ta première sur Seven Days to Die, ouais, carrément. Bah là, écoute, là, tu vois, on arrive au boss des plaines. Après, il y aura le boss des mists. Mais je sais même pas où ça se trouve. J'ai jamais vu le biome, je sais même pas où il se trouve. Oh putain, mais regarde-moi ça devant là. Ah ouais, 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 ouais. Purée saleté. C'est bien. On est bien accueillis. Ok, on a accosté. Attention, derrière toi. Non, 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 non. On va faire un truc pour le réparer de toute façon. Quand il est sur toi encore. Oh merde, faut pas on bateau. Bon. Oh saleté. Putain. J'aurais peut-être dû faire un portail, je suis bête. C'est une idée, ouais. Viens me voir, moi. Oh non, non, non. Non. Saloperie. Moustique de merde. Je te jure. Mets ton bouclier, lève ton bouclier. La position de CRS, c'est quoi, pour chaud. Oh, il y a eu un pic. Ouais. Ça tombe à pic. C'est pas mal, c'est une bonne idée d'apprendre cela. Ok, ok. Par contre, le truc, c'est que là, ce serait dans quelle direction à peu près ? Non, Hunter, il est pas débutant sur Seven Days, apparemment. Il a plein d'heures de jeu dessus. Moi, je suis un débutant, mais un noob. Ouais, non, bah, je vais te prendre les ouf, quoi. Putain, il a déglingué le bateau, il était presque mort. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une petite. Oula, ouf. On a un petit bâtiment sur le côté. Hein, putain. Ah oui, merde. Et putain, la tartine qui m'a mis. C'était pas loin. Fais gaffe, fais gaffe. Ok, j'ai tué celui avec l'étoile. Ok, attends, je vais prendre la croix là. Si tu veux. C'est arrivé. Je joue ta pote, vie. Tiens par là. Voilà. Ok, on l'a eu. Bien joué, okay. Bien joué. En fait, on devrait faire des lits. Ça pourrait être une idée pas conne, oui. Il faudrait qu'on le fasse dans la petite tour là. La tour, voilà, regarde. Parce que attends, je vais noter sur la carte tout de suite où on est. Oui, au cas où. Je préfère le noter au cas où. C'est vrai qu'il faudrait pas qu'on meure en fait, hein, parce que là, si on meurt, c'est chaud. On est l'autre côté. Oh, moustique, moustique, moustique. Oh, tu l'as eu. Okay. Putain, je suis fier de toi. Je l'ai eu en même temps que je l'ai tué. Et Julien aussi, c'est pas un débutant. Il m'a dit que c'était un gros pro et tout. Qu'il avait fait du speedrun et tout. Speedrun sur Sunday ? Non, mais je raconte des conneries. Ah. C'est un petit poisson d'avril. C'est vrai, effectivement. Du coup, je vais essayer de péter ça pour avoir du bois. En bas. En haut, je veux dire. Donc il va vous empêcher de dormir. Il a une étoile et c'est un bouclier, bon sang. Il y a pire. Ouais, fais gaffe quand même. Méfie-toi. Ok, chérie, je l'ai entendu mourir. Ça a l'air de... Ok, établi, c'est bon. Je pourrais faire un lit. Hop. Alors je vais déjà tout de suite. Ah merde, on n'a pas de toit. Ok, d'accord. Je voulais voir si ça faisait un toit, mais non. Il va falloir juste qu'on fasse un petit toit. Ouais. Ah oui, il ne veut pas. C'est con parce qu'en choix, sinon c'était pas mal. Et devant là. On va faire un toit là-haut, c'est pas grave, on a tout le bâtiment, on a les murs et tout au moins. Ça c'est déjà pas mal. Oh, c'est déjà bien. Donc on verra bien quoi. Je regardais depuis là-haut. Days, très chaud. Ça va être cool ça. Oh, salut Gilly Narrateur. Je laisse le PC et mon téléphone avec l'œil en fond. Et je vais passer la soirée avec madame. Et bisous et salut, salut à toi. Mais c'était Joe ou c'était un. Ça marche. Mais écoute, merci à toi en tout cas. Et puis passe une bonne soirée et puis bisous madame. Comme là. Ah, je me sens plus aussi reposé qu'avant. Ah, ça. Eh oui, on va se reposer un peu. T'as un peu de pierre ou pas sur toi? C'est toi, oui, d'accord. Okay. J'en ai 5, ça te suffit. Ça marche, merci Joe. Je te les balance? Non, bah vas-y, fais un feu de camp. Ok, si c'est... Par contre, fais gaffe de pas trop le faire intérieur ou je sais pas, parce qu'il y aura les fumées en fait, faut pas qu'on se fasse en fumée.
Ouais, ce serait chiant. Alors. Par contre, comment attends, faire? Ouais, enfin, je répare ces trucs-là, hein. Non? Puis le menu. Ok, alors, fabrication, construction, toit. On va faire ça. Chou. Comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ok, ton merdon. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de bois pour faire le feu. Ah, il faut aller en couper. Ouais. N'hésite pas à péter les constructions en as des autres. Bon, on remarque qu'on a déjà pété combien de coins, effectivement. Et ça, c'est des bois qui vont pas nous donner ce qu'il faut. Si, si, ça en, donne, ça en donne aussi. Ok, j'ai fait un toit là-haut. Non, pas dans l'eau. Putain. Si je saute là, je vais pas mourir. Le bois dissident qui se casse dans l'eau. Oh non, mais non. Ah, non, mais... Je sens que je fais une connerie. Le bois s'échappe. Purée, je te jure. Je sens que je fais une connerie. Ok, c'est bon, j'ai pu en avoir. Allez. T'as mes bois qui essaient de s'échapper à la nage. Ah, c'est des choses qui arrivent, ça. Rien. Oh là là là, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Tu penses que je fais à l'intérieur? Mettons ici, par exemple. Ok, c'est vrai. Je pense que je vais le mettre juste devant. L'intérieur, ça peut être chaud parce que, comme je te disais, ah, viens faire l'extérieur juste par là, par exemple, et je vais faire un petit toit. Ouais. Bon. Juste pour pas qu'il voilà, pour pas qu'il subisse la pluie. Ok, bah j'ai pile de quoi faire ça. Parfait, putain. Vas-y, mets un petit feu de camp bien en dessous. Ah, mais il faut le deuxième lit. T'as fait le deuxième lit ou pas encore? Non, j'ai pas de bois pour ça. Ok, c'est bon, le point marche. Ok, ça a l'air de marcher. On va pouvoir passer la nuit ici. Je vais chercher du bois pour en faire un deuxième. Je vais voir si j'aurais passé, mais je pense pas. Oh, bon. Allez voir, lit. Ouais, j'en ai passé. Ok, j'arrive. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va te faire ton petit lit. Je vais le mettre comme ici, parce que je sais pas s'il sera pas trop loin du feu. Ça. Voilà. Allez, vas-y, on va passer la nuit. Dormons. Bruy va dormir. Ah, je suis mouillé. Ouais, attends que tu sois sec. Il n'est pas dormi. Ouais, bah, c'est désagréable de dormir quand il fait, quand t'es mouillé. Ok, là on est pas mal. Donc on a notre spawn qui est ici. Il va faire jour. Parfait. Tu sais quoi, on va faire un petit coffre. Ça pourrait être bien, ouais. T'as un peu de beau. Ciao. Pour... Le bateau il va pas se barrer ou... Non, il bon. Se barrera pas. Ok. Bon. Quand il y a personne dedans, en fait, il bouge plus. Heureusement. C'est déjà bien assez galère comme ça. Imagine le bateau il se barrerait et tout. Oh l'enfer. Ah bah c'est sûr, ça c'est un truc qui serait vite arrivé, par contre, il est encore ça plaît merde. Sans jet de deep là. Ah non, c'est rendre des deep, c'est ça qui se barre les trucs. Ça, okay, c'est quelque ça, chose. C'est bon. Hop, tac, 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 tac. Ah, non, t'avais fait des vidéos dessus, mais je crois pas que t'avais fait des vidéos à quelqu'un sur ce jeu là. Non, il y avait pas de mode multi quand j'y avais joué à la base. Oh putain, moustique. Ça ok, bon. Alors, hop. Ok, bon, je suis full bouffe, j'ai tout mangé, on a plus qu'à trouver un camp. C'est ça. Ah, bon, bah j'ai pris chaud trop tôt. Mais j'ai ouais, quoi. Moi, tu l'as eu. Ok, donc là, on est à la recherche d'un camp gobelin. C'est ça le problème. Ce serait bien si on pouvait grimper sur ces espèces de pylônes, là. Ces gros morceaux de terre, là. Enfin, on pourrait plus ça. Décoller encore. Est-ce qu'on se sépare, du coup? Ah, bah si tu veux. Par là, je pars de l'autre côté. Premier qui trouve, appelle l'autre. Ça marche, ça marche. On les plaque bien, c'est plutôt pas mal. Tous sont moustiques. Ouais. Je vais me garder une arme. Je suis bête, j'aurais trop dû faire un portail ici en fait.
On a gagné du temps, c'est sûr, mais après, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est embêtant qu'on puisse pas transporter les trucs avec. Bah, les totems, on peut. Métallique. Après, tout ce qui est sombre fer, on peut pas, mais on en a plein déjà. Ouais, le fer aussi. Il va pas y avoir un camp ici. Après, du coup, s'il y a pas de camp, on va devoir aller à un autre biome. Il y a peut-être un Lox, je vois un truc d'une assez grosse taille, peut-être un rocher, peut-être un Lox, on verra. En tout cas, il y a une montagne, si jamais on veut de l'argent, il y a peut-être moyen. C'est vrai qu'il y aurait peut-être bien. Allez, un petit camp. Pour réparer les outils et tout. Je crois qu'on n'a pas de camp. Du coup, blanc, mais pas de camp pour l'instant. Ah, attends, peut-être là-bas, non ? Mais pourquoi tu... Non. Il fait le tour deux fois avant de venir m'attaquer. Tu voulais vraiment être sûr à fond. Hein. Ah, il n'y a pas de camp. Attends, après ça continue à Valbiome. Hmm. Après, il y a une zone qu'on a peut-être pas bien regardée de l'autre côté. Parce que la montagne, c'est considéré comme un biome à part entière ou pas ? Ouais. Ok. Mais dans le sens, du coup, ça fait pas partie de la plaine, entre guillemets. Non. C'est un okay, biome, il s'appelle vraiment la montagne, pour le coup. C'est bon à savoir. Après j'arrive dans de la prairie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est là que ça devient comme ça. Et je vois le marais à gauche. Après, peut-être de l'autre côté, parce que moi je suis parti vers la droite, mais sur la gauche, pareil. Ouais, t'as monté là-haut, ouais, t'as rien trouvé. Oh, je sais pas si intéressant. J'ai trouvé un sanglier de niveau 1. Ah. Enfin non, il y avait une étoile. Pas mal, ça je crois qu'on peut les. On peut les reproduire aussi ceux-là. Ça il faudrait en vrai, ouais. Il y a pas mal de recettes qui seraient pas trop chiantes à faire avec du sanglier. Ça, carrément. Serait bien. Avec la viande de l'ox du coup on peut faire des bons trucs, bah tiens j'ai un sanglier aussi. C'est vrai. Pour l'instant je vais juste les buter pour récupérer leur viande. Hein. Ça nous servira pour faire les saucisses. Ça va. Et bon bah écoute, là j'arrive dans les prairies. Vietnam, il y a un moustique qui est planqué dans les arbres. Bon, t'as rien trouvé du coup ? Pour l'instant non. Okay. Je suis en train d'essayer de débarrasser d'un moustique de clotte. Où est-ce qu'il y a de la plaine encore ? Il faut aller tout là-bas là. Ok. Après ici on n'avait pas vu de camp non plus. T'avais pas vu, non ? T'avais pas exploré, je veux dire, c'est ta map dans l'autre coin ? J'ai l'impression qu'il y a une bande. Attends, il y a des plaines du côté d'Ildir. Hein ? Donc on peut peut-être rentrer à la base, on prend le portail vers Ildir et on y va à pied. Ok. Bon, on peut faire ça. Attends, je vois une bande de terre encore de plaine de l'autre côté, je vais jeter un coup d'œil. Ouais, ça roule. En attendant, je retourne vers le bateau. On sent qu'il est allé vers le bateau. Ça sera bien. On va faire comme ça, peut-être. Il n'y a pas du tout encore, je suis un peu déçu. Ouais, c'est embêtant. Après ça, c'est pas des prairies qui sont denses, mais... C'est vraiment des trucs qui sont disparates là au milieu de nulle part. C'est vrai. Ah merde. Ah bah j'ai fait comme toi. J'ai déséquipé mon arme au moment de taper les moustiques. Impeccable. Oh putain, il jouait 3 locks hein. Par contre, c'est sûr, ils ont pas oublié. Il y a 3 coups de poing, j'ai enlevé la moitié de sa vie. Ah les moustiques, ouais, ils ont pas beaucoup de vie. Par contre, ils sont chiants, putain. Mais ils sont ultra rapides. J'espère qu'il n'y aura pas un boss qui en fera spawn. Parce que putain. Ah, j'avoue. Oh, je sais pas comment c'est ça. Moi, j'imaginerais bien un boss un peu comme ce qu'on a eu dans la tour. Une sorte de troll avec peut-être un mec dessus, hein, un chaman ou quoi. Le boss que tu avais fait, l'espèce de. Comment on pourrait dire ? De petit dragon de glace, on va dire. Un gros dragon de glace, ouais. Et ouais, bon, dans le sens, bon, on laisse trop. Ça, c'est les lords de Sanglouchement Dragon et compagnie. mais en gros, ouais, du coup, il avait pas des loups qui n'étaient emmerdeux aussi dans sa cave. Non, non, il n'y a pas de loup, mais en fait, c'est vu que j'ai mis du temps à le tuer, c'est arrivé dans la nuit. Et du coup. Parce que je me demandais s'il y avait des boss, effectivement, qui pouvaient te faire spawn comme ça, des bestioles à la figure. Le boss des marais faisait spawn des gelées. Ça c'était long. Il y a plein de gobelins près de notre bateau, c'est normal ça? C'est pas très rassurant. Si on a trop, ça veut dire que c'est inquiétant, et si on a pas assez, ça veut dire qu'il fait pas un mauvais coup.
Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de coups de berry. Par contre, ma masse fait trop mal, quoi. Bah, c'est tout ça qu'elle est adaptée pour tous les combats, c'est ça qui est cool, là. Ouais. Ok, je suis revenu au bateau. Toi, t'es où? T'es là-haut. T'es encore dans les plaines? Oh ouais, il y a encore beaucoup de plaines, donc... Ah ouais, moi, j'entends. Attends, je vais poser ça dans le bateau et je vais venir te rejoindre. Ah oui, c'est vrai que tu peux venir me, entre guillemets, chercher sur la côte. Ah oui, avec le bateau, ouais, j'avoue, je peux faire ça aussi. J'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, bon... Après, il y a un coin, c'est peut-être un peu... Je sais pas si t'as un problème au niveau de la profondeur, tiens. Bah écoute, on va voir. Tout ces jours, en fait, là, la plaine a tendance à s'élargir un peu. Ah. Écoute, et d'un côté, viens te chercher. Si je me rappelle, le petit poème qu'il y avait sur l'hôtel du coup du boss, ouais. Il y avait un truc dans le sens qui était enterré du coup autour de des siens, voilà. Auprès des siens, un truc dans le genre. Et du coup, je me demande, toi, si ça voudrait pas dire, par contre, que, eh ben, du coup, voilà, il serait proche des autres tribus. Donc peut-être que c'est un endroit qu'on n'aurait pas regardé du coup dans les plaines. Peut-être, c'est possible. Parce que ouais, il me semblait tout à l'heure quand t'as montré la map du coup sur YouTube qu'il y avait un coin que t'avais pas encore regardé, il y avait une petite bande grise au milieu quoi. Oui, au milieu j'ai pas dévoilé encore. Ah, dans notre biome à nous? Oh oui. Ouais, une petite bande, mais je crois que c'est un... Il me semble que j'ai vu du goudron par là. Ah, d'accord. Je vois. Je crois que c'est pour ça que je me suis pas approché. Ah, ça pourrait expliquer des choses. Bon, en tout cas, ce qui est marrant, toi, c'est que là, ça s'élargit. Du coup, la partie de plaine de la zone où je suis. Mais ouais, il y a quasiment pas de gobelins. T'as des moustiques de merde qui sont là tous les 10 mètres. Ouais. Ah, t'as aussi, j'entends des gobelins. On va voir. Écoute, je vais me rapprocher. Mais ça, s'il y a un truc, tant mieux. S'il y a rien. C'est ça. Bah, on peut aller directement vers Ildir du coup. On va y aller en bateau. Ok, tente. Ça racle un peu. J'ai jamais tué de gobelins. Non, pas de gobelins, je veux dire. J'ai jamais autant tenté de gobelins. J'ai spooké une seule gobelin, c'est terrible. Des moustiques, voilà. C'est le mot que j'ai cherché. Ah, les moustiques, c'est une grande histoire d'amour avec toi. Je te jure. J'en ai tué au moins 10 depuis que je suis arrivé là. Oh, j'en suis à 9. Ça va mieux. On est plutôt bien stuff, non? Voilà. En vrai, il y aurait limite moyen de se faire. Ouais, une petite masse peut-être. Voilà. Mais après, non, laisse tomber parce que. Autant qu'on améliore peut-être la tienne. Donc à faire parce que ça doit coûter du coup des petits morceaux de moustiques aussi. Oui, des. Ça, enfin, là, ça m'a coûté deux piques et. Aïe aïe. Une mur. Donc ouais, autant d'abord qu'on améliore ton arme, après on verra ensuite. Ah oui, il y a des goudrons, effectivement. Les goudrons, faire gaffe à ça. Ils vont vite. Ils vont vite, c'est pas bon. Il y a un peu de gobelins, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins peuplé, je trouve, en termes de gobelins que la celle où on est. Allez, Bobby. Moins de dés avec des étoiles. Ah, c'était l'enfer, c'est quoi? Tu vois, des fois, il y en avait avec deux étoiles, c'est marrant ça. Ouais, deux étoiles, c'est chaud. D'ici dans mon bateau, oh, tourne. Oh putain de boue! Non! Il y a un moustique en plus, c'est sérieux là. Il y a moyen de se protéger de la boue? Oh putain, non. J'ai approché mon corps un maximum, attends. Faut que tu cours. Ouais, parce que là. La seule option, c'est putain, mais il va jusque là, le biome plein? Oh ouais, il s'élargit un max. T'as la vache. Bon, vite. Mange. Mange, soigne-toi. Fuis ce goudron. Je vois quelques rochers au loin, mais... Attends, si, il y a un camp. Razor, il y a un camp. J'arrive. Meurs pas, en tout cas. Je vais essayer, mais c'est compliqué, là. Je crois que le goudron, je le vois au loin bouger, mais j'ai l'impression qu'il m'a un peu paumé. Ok. Et ouais, il est balèze. Le camp est balèze? Ah, ouais, il y a de la tour, il y a des tentes. Ah, on devrait trouver un totem au moins. Et voilà. Impeccable. Je suis mis en position CRS avec le bouclier levé. Oh là là. Après, on a une autre technique.
Ah oui, c'est un lead à côté, par exemple. Ouais, je pensais plus à une technique de fourbe. Ah, c'est-à-dire? Bah genre, si on s'approche doucement, si jamais on voit le totem, on fait comme dans Koh-Lanta, on court, on chope le totem d'immunité, et on se casse avec. Tintin. Un 2 étoiles, on ne pourra jamais s'échapper. Il va nous jeter une lance, il va nous éclater la figure. C'est possible. Oh non, meurs pas. Il y en a un avec une étoile. Gros pas, j'arrive. Je suis passe, mais j'ai le vent en pleine face. Oh merde. Tout le temps, je te jure, à chaque fois. Oh merde, il m'a tué. Oh putain. Oh non. Tu vas pouvoir revenir à pied, c'est pas grave. Mais... À pied? Ah oui, c'est vrai que oui, t'as raison, on avait mis la tour, là, on avait fait des petits lits dedans. Ah, c'est terrible. T'es sûr? C'est terrible. Je l'ai déglingue. Oh putain, il y a 3 locks à côté de la tour. Non. Il y a 3 locks, ça a même pas 10 mètres de la tour. Mais c'est pas possible. Regarde-moi ça. Oh là là. Ah oui, je crois qu'il m'a vu, effectivement. Je crois que t'es mort par là-bas, toi. Ouais. Tu continues tout droit, en fait, du côté. Et tu vas voir, il y a un moment où tu vas voir une grande dent, entre guillemets, on pourrait dire. C'est les touches, déjà, pour attendre pour la map. C'est M, je crois. N. Ouais, c'est M. M. Ah, t'avais raison, c'est les roseaux qui gênent. Ouais, je pense que c'est ça, ça doit être un entier. Oh, il y a un moustique, j'entends un moustique. En fait, c'est physique, mais on peut pas les couper, quoi. Oh, putain de moustique. Putain, les roseaux, non. Parce que le problème, c'est que les moustiques peuvent te suivre sans aucun problème dans l'eau. Ça fait chier. Ah, là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh, putain, on est traqué. Ah bah je vois pas pour ça. Oh putain, y'a encore les... Je suis traqué, je suis dans l'eau, genre. Oh, y'a des loups qui arrivent. Oh merde. Y'a des loups qui vont arriver dans l'eau. Ouais. Je suis bien curieux parce qu'ils m'ont fait. Ah putain, ils nagent, ils ont... C'est marrant parce qu'ils ont les oreilles... Ils sont presque mignons. Ils sont les oreilles. J'aime bien quand tu dis presque. Bah s'ils essaient pas d'avoir ma peau... Ah c'est ça, effectivement. En fait, ils se galèrent, c'est cool. Longue barre pour le coup, je disais, hey, c'est pas mal comme ce coin-ci, c'est mignon et tout. Je sais ce que t'as un élan en fait, qui arrive, vu qu'il nage, bah ils se galèrent. Okay. En fait, ils sont mignons s'ils ont les oreilles vers le bas. J'ai presque pas envie de les tuer, moi. J'ai pas le choix parce que sinon je meurs, mais c'est ça. Putain, ils arrivent tous du bord. Par contre, ça me donne de la viande, c'est bien, mais. Et quand ils nagent, ils aplatissent leurs petites oreilles, ils sont trop mignons. Oh non. Je suis trop déçu de les tuer, d'avoir les tués. Merde. Ah là, ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, en vrai, les clous guéris, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui est bien? Ça donne pas tellement de... Ça donne pas tellement de vie, par contre, ça donne quand même beaucoup en termes d'endurance. Que t'en trouves de partout. C'est le temps maintenant, c'est... C'est bon, j'arrive. Ok, j'ai réussi à pousser le bateau. Bon, je sais pas ce que ça va faire, mais... Je vais essayer d'avancer alors que je suis traqué. Ah si, je te vois, ouais. Ok, je te vois sur l'écran. Va-t'en le dedans. J'ai pas de quoi te tuer. Ok, j'ai trouvé 7... Du coup, j'ai 7 viandes de loup et 7 peaux. C'est très bien, mais donc t'as attaqué la flotte en plus. Mais je te jure. En fait, j'avais pied. J'étais sur un haut fond, donc j'avais pied, mais du coup, je les voyais venir de la berge. Mm. Et puis ils nageaient jusqu'à moi, quoi. Mais du coup, vu qu'ils étaient en train de nager, bah, ils pouvaient pas vraiment m'attaquer. Mm. Du coup, j'avais assez de range pour leur péter les dents. Ouais, je vois qu'il y a un petit bâtiment avec des gobelins, faut que je fasse gaffe. Là, c'est bien pour moi. J'attends un gobelin, t'es sérieux. Attends, tu sais quoi?
si tu peux, attends, je te vois là. Si tu peux me prendre vite fait en autostop. Ah oui, merde. Alors, essaye d'aller un peu plus loin sur l'autre côté là-bas. J'arrive à la rive. Parce que j'ai du mal à manier. Fais gaffe, n'aggro pas les mecs qui sont dans le bâtiment là. Ouais, je voyais pas. Ils étaient pas apparus pour moi. Putain, y'a des locks là-bas. Fais gaffe, des locks aussi. Attends, est-ce que je peux rejoindre le bateau? J'arrive. Pardon, putain. Est-ce que je peux entrer même en étant de la flotte? Oui, tu peux. Mais Toby, non. Oh, je vais perdre la vie. Non. Attends, régénère. Oh non. Il va se noyer, ce con. Ce con, il va se noyer. Non. Ok. C'était plus loin que t'avais vu le camp? Plus loin, ouais. Ok, on va. En fait, je voulais m'arrêter là, mais il y a les locks à côté. J'ai peur que s'ils bougent, ils pètent notre bateau en fait. Ouais, ils vont tout exploser. Hein. Oh, putain. Ils pètent des rochers là. Ils vont faire des coups. Encore, quoi. Ouais, après, on devrait. Il y avait des petits arbres à côté. On pourra sûrement faire un petit feu et de quoi aussi. On va faire un petit camp, ouais. C'est encore un camp. Oh, hein. C'est vagabond là. On n'est pas des vikings, attends, on est des gitans, ouais. Oh là là. Putain, j'en ai marre d'avoir le vent en pleine face. C'est ça que les voiles, là, vont galérer. À chaque fois, j'ai le vent en pleine face, il veut pas tourner, le vent, en plus. Allez, avance, Rom. C'est virgule, sérieux, pour faire la map, ça. Et bien. Non, je sais pas, moi, c'est M, ça va. Ouais, faudra que je change. Sinon, c'est en QWERTY. Ouais, c'est ça. Il va faire nuit, quoi. Allez, Rom. Quel enfer, quoi. Ils viennent pour faire un câlin, c'est ça, les pauvres bêtes. Quel enfer. Donc, ouais, c'est vraiment. Attends, va un peu plus à droite. Entre guillemets. Plus à droite. Ouais, j'essaie. Et. Tu vois la fin du bosquet d'arbres qui arrive devant? Ouais. Ce sera à peu près à 100 mètres après. Ok, assez bon dans le vent. Je vais pouvoir enlever la voile. Et pour... Ah, ça va mieux. Il fait nuit, quoi. Et tu me dis quand est-ce que je dois m'arrêter? Oh purée, on t'a lancé. Ça fait très bizarre cette scène. Oh, qui suis à poil là. Est-ce que j'ai un caleçon seulement? Ouais, j'ai un caleçon, mais c'est vraiment, c'est minimum vital. Ok, attends. C'est quoi cela? Ouais, j'ai sauté à la mer. Ah oui, je vois ton cadavre. Attends, mais... T'es un grand malade. Ah oui, je vois le camp. C'est ça. Allez, vite. Vas-y, Bobby, tu peux le faire. C'est des au fond. Non. Ok, c'est bon. Il est... Ok, il nage plus. Il y a une petite crique. Fais des moustiques, il y a des moustiques. Attends-moi. Oui, parce que là, il y a deux moustiques. Attends. Grand quel malade salaud. Qui saute là, tout seul à poil dans le truc. Attends, reste là, ne bouge pas. Oh putain, son. Putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça a tapé le bateau, mais pas le moustique. Je vais me mettre en sneaky. Ouais, reste en sneaky. Allez, viens voir toi. Ok, c'est bon, j'en ai eu un. Pique là. Je vais faire l'autre pour que tu puisses chercher ton cadavre. Juste à côté, il y a du lox, fais gaffe. Ok. Il y a du lox en face, je les vois. Ah oui, je les vois, mais ils sont assez loin. Il y a un peu de bois, on pourrait peut-être faire un petit feu et tout. Ouais, il faut faire carrément un campement complet là. C'est ça. Un de plus. Et ouais, t'en as du bois sur toi ou pas du tout? Ouais, j'en ai. Ok, cool. Je vois ce qu'il reste. J'en ai 13. Un bateau. Est-ce que t'as un peu de cailloux? Non. Oui, il y a deux cailloux. Deux cailloux, après je vais pouvoir les. On va pouvoir les farmer quand même. Ok, j'ai 13 bois. Cailloux. Parfait. Je balance le bois du coup. Ça en est bien. Attends, je vais peut-être remettre mon stuff un peu là. Ah bah oui. J'ai vraiment un jeu de touriste comme ça. Ok, un peu de cailloux en plus. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Regarde. À partir de là. 5. J'ai, il m'en faut 10 rings pour faire ça.
Pas un gobelin. J'en entends un, ouais. Ouais, j'en entends. Ouais, en face. Que... Oh ouais, merde, tu l'as gros. Oh, j'ai pas bougé. Du coup, je suis innocent. Oh putain, merde, non. Putain, j'ai pas vu. J'ai oh, pas vu. Chiant, j'ai pas vu. Il y a deux gobelins et une étoile, en fait. Oh, fait chier. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ça se passait trop bien. Oh putain, il y a 6-7 gobelins. Ouais, laisse tomber. Reste sur le bateau. Moi, je suis dans la tour. Je peux dormir, tu vois, et passer le temps. Je pourrais pas. Je vais mourir, c'est sûr. Je vois pas comment je me sens, en fait. Oh putain, désolé. Il y a du tonnerre. Oh putain, il y en a qui se barrent. J'ai oublié le lox. Ah, mais ils reviennent. Oh putain. Oh, il y a 3 lox à côté de la tour. C'est pas mal, j'aime bien cette scène. Oh putain, il y a 3 lox. J'ai plus que 2 HP. Putain. Là, je suis de tout cœur avec toi. Je vois pas comment je m'en sors en fait. Après, dans le pire des cas, si jamais tu meurs, on pourra repartir de la tour sans avoir à traverser encore une fois la mer, mais bon, ce serait mieux d'éviter. On voit cette scène, quoi. Je suis dans le lit, je vois les locks passer devant la porte d'entrée. Fuyez, pauvre fou. Fuyez. Oh, je te vois, ouais. Il y a le cobla qui est dessus. Hey, salut, canard, salut à toi. Je me casse, putain, ils me suivent. J'en peux plus, je me casse. Oh mon dieu. Il y a le Lox qui m'a vu dans la tour. Ça fait plaisir de te voir, canard. Comment vas-tu? Enfin, depuis cet après-midi, d'ailleurs. C'est moi, j'ai réussi à m'enfuir. Courage, fuyons. Putain, je vois plus rien, quoi. Moi, je vais tellement me faire tuer. Oh bah, ok, d'accord. Il y a 3 Lox devant la base. Moi, enfin, mais, devant la putain, base. Mais faut pas qu'ils pètent notre base. Hein. S'ils pètent nos lits, on est foutus. Hein. Ouais, mais je suis parti juste pour ça et il y avait un moustique qui campait à côté. Tu continues de fit sur la faille. Ça marche. Bah écoute, fit bien. Putain, je vois plus rien. Il y a un brouillard, mon pauvre. Faut que j'attende que la nuit. Faut que j'attende que la nuit s'arrête en fait. C'est terrible. Je vais essayer de casser l'air de mon bateau. Je te jure, mais c'est ridicule cette scène. Je suis dans le nid en train de regarder les locks qui passent devant la porte d'entrée. Mais il tape pas. Il y en a un qui était passé en fait à travers le mur, du coup qui m'avait vu. Merci, c'est génial. Putain, j'entends encore les gobelins. Attends, faut peut-être que je recule encore un peu. Que j'avance pas trop, du moins. C'est bon, j'ai plus de brouillard, je vois clair. Ah, ça. Putain, je vais être obligé d'attendre que la nuit. Oh, ils sont dans l'eau, là, je crois. Oh merde, il y en a qui nage à moi. Oh, ma merde, est-ce qu'il a une lance? Ouais, non. Je sais qu'il y en a qui ont des lances. Attends, c'est moi, il repart. On voit pas très bien, il fait nuit. Il va te jeter des harpons à la gueule. Tu me parles d'une histoire. Attends, fais voir. Ah, tiens, c'est pas mon canapé. Tiens, regarde, on est, c'est comme ça qu'on s'accroche. Dans la place. Ah, c'est bien, ça, ouais. Eh, j'aurais dû tester, merde. Mais c'est ça que je veux que tu fasses. Et une fois que t'es accroché, en fait, tu peux jamais tomber, tu vois, t'es accroché, hein. C'est trop la classe. Ah, c'est stylé, c'est cool. Ok. Ah, j'aime bien ces petites lumières que tu vois au fond. Ouais, c'est... Les lumières du... Bah, là, c'est ton cadavre, et à droite, c'est celle du camp. En fait, quand je m'éloigne un peu, il y a du brouillard, mais quand je me rapproche, il n'y en a plus, donc je vais rapprocher un peu. Combien de temps ça durera encore? Putain, la nuit, elle va être longue. Oh, on n'a pas eu le temps de fabriquer notre abri. Quelle tristesse.
J'aurais dû juste bouffer. J'ai pas vu que j'étais encore 25 PV. Ah bah ouais. J'étais con. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, ça va le faire. On va s'en sortir. C'est bon, le brouillard va s'estomper. Moi, l'avantage, c'est que c'est la dernière ligne droite. Oh putain, je vois. C'est quoi, c'est un squelette? Ouais, ça, c'est un squelette. Je vais vous mettre aux commandes. Le bordel. J'entends des gobelins. Non, dans notre base hein. Ouais, dans la base, c'est un bien gros mouille. C'est un camp de lox. Ouais. Il y a trois lox en sortant de la base. Tu des sors vraiment, squelettes. tu te le fond contre eux. Oh, putain, je vois les gobelins encore. Oh. Ah, c'est terrible. Je le pousse à coup de bateau. Putain, il bouge pas. S'il bouge. Putain, il lance des lances. Merde. Putain, j'ai plus de stam. Allez, allez, la stam. Ah là là là. Rien de. Je le rate genre. Mais. Genre je le rate. En fait, vu qu'il est dans la flotte, mes flèches elles font n'importe quoi. J'ai même un squelette qui nage à moi, putain. What? Non, mais c'est ok, ouais. C'est terrible. D'un côté un squelette encore ça fait sens, c'est un truc qui a pas besoin de respirer. Genre. Il va se faire éclater par la mer, mais bon. Ouais, quel enfer. Putain, mais je te jure, cette scène, quoi. Funaise. C'est quand qu'il fait jour, là, bordel. Ils sont en train de se battre comme ça, en tirant des flèches à travers un bateau, en se cachant dans des tours pourries. Quand est-ce qu'il fait jour dans ce pays? C'est ça. Ouais, c'est ça, de toute façon, je te dis, nous, on est, toi, on était des hipsters à la base qui voulaient ouvrir un bar, toi, qui s'appelle. Mais... Dis-vous en fait. Hein. Je te jure, ce jeu c'est l'enfer. Chaque fois tu dis, bah allez, il y aura ça juste un petit totem à récupérer. Et après on fait le boss. Eh ben non. Ça, tu dis, on va le faire à la Atlanta, on va shipper le totem. Mais c'est ça, je me suis tranquille, vas-y, on va choper le totem, on se casse, on invoque le boss. Et parti. Le black sur arrivé d'un coup. Eh ben non, c'est tout le camp qui arrive partout. Ok, il va faire jour. Allez. Par contre, c'est compliqué de monter. Je vais essayer de vraiment de coller la rive. Parce que là, vraiment, t'as trois locks dehors, juste en dessous de la tour. Ok, je vois, attends, je vois cet enfoiré là-bas. Oh, attends, c'est le jour. Ouais, c'est le jour, ça y est. Oh putain, mais. Mais partout mes flèches, oh, en fait. Bon, nom de Dieu! C'est bon, je l'ai. J'ai sorti de la tour, il y a deux locks qui m'ont chargé direct. Oh putain, il y en a un autre. Oh putain, il faut qu'il pète pas le lit. Après, si on arrive à en fabriquer un autre, c'est bon. Oh, après, okay, je suis okay. Barré, là. J'ai réussi à tuer celui qui nageait là. Je vais essayer de me rapprocher de la côte. C'est possible. Oh putain. Oh la galère. Il y a trois locks qui sortent en fait de la tour. Il y a un moustique qui campe en fait le caillou qui est à côté de la tour. Ah ouais? C'est compliqué, ouais. Genre, là j'ai mis un petit screen, tu verras. Je suis même pas sorti de la tour, il y avait déjà deux locks qui étaient juste en face. Là, ils sont installés, ils ont mis leur bagage, et tu vois. Ok, j'arrive. Je reviens près de la côte. Ok. Et ben, je suis content d'avoir sauvegardé cette capture d'écran. Ok, je suis arrivé, je suis revenu. Est-ce que je peux réparer d'ici ou pas? Non, l'établi. Ah, l'établi, ils l'ont pété. La base. Ah, ouais, mais non, attends, ça c'est quoi, pas être possible. Oh merde. Ça va définitivement pas être possible. Putain, vite. Putain, mais cette scène, c'est terrifiant. Ouh.
Putain, j'ai en train de bouger. Je me demande si peut-être j'essaye. N'essaie pas, ouais. Fais-le, mais il n'y a pas d'essai. Attends, c'est vrai, c'est compliqué là, il y a trois locks et un moustique qui campe à la tour. Putain. Faut que tu cours et que tu viennes. Ouais, c'est compliqué là, je te. C'est chaud, il faut que je vienne te chercher. Je vais essayer d'aller plus loin possible. Oh l'enfer, on va jamais y arriver. Oui, il me reste de bois là. 8. Putain, attends, je vais peut-être réussir à esquiver le premier moustique. On avance, on progresse. Ça, c'est... Ouais, c'est mouette, okay. Oh putain, il y a deux moustiques. Oh putain. Non, c'est pas vrai. Cassez-vous, bordel. Qui reste bien l'un côté de l'autre en vol stationnaire. Va falloir que je, en fait, va falloir que je monte sur, la, sur l'espèce de d'îlot à côté pour les esquiver. Putain, mais. Attends, en toi, en gros, encore si tu pouvais donc nager un petit peu, tu vois, sans mourir, ça pourrait le faire, mais là, c'est vrai que c'est compliqué dans ce cas. Ah, c'est super chaud. Putain, c'est un gobelin que j'ai aggro là. Merde. Ah, oui, c'est un gobelin. Un gobelin et un lutin, parfait. Est-ce que tu arrives à courir vers moi ou pas? Je suis en train là, je suis en train. Ok, ok. Tu peux voir la carte? Putain, t'es tellement loin. Oui, il y en a un qui a une lance. Je suis en train de préparer le camp. Je vais essayer de me sécuriser un lit en fait. Histoire d'avoir au moins ça. Attends, il me poursuit le poisson là? Merde. Que le poisson il me poursuit, bordel. Laisse-moi enfin, tranquille. Un poisson me poursuit, mais qu'est-ce que c'est ça? Un poisson putain, bleu, mais... des gros yeux bleus, qui rapproche. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'arrives toujours des trucs, toi, mais ça vient du turfu. Tu regarderas sur Discord tout à l'heure. Putain, je te jure, cette tour. Putain, mais c'est un hôpital en apocalypse zombie, ce truc. Bon. Putain, il y a trois locks qui sont devant et ils ont posé leur grosse fesse devant la tour. Oh, je te jure, quoi. Attends, c'est pas un mec. Voilà, okay, j'entends des bruits, j'ai peur. Ok, ok. Okay. Pensant, j'ai pas trop croisé de moustique qui était trop proche pour m'embêter. J'ai de l'espoir. Bon, je suis loin. Les locks sont si loin. Où il y avait des gobelins. Oups, en parlant de gobelins. Est-ce que ça suffit ou pas? Ok, si point de réapparition créé, c'est bon. C'est bon, j'ai les deux lits, j'ai le camp, j'ai la petite cabane qui va bien. Je vais la noter ici. Si je nage, mais juste... Ouais, juste à nager sur place. Est-ce que ça consomme d'endurance? Ça consomme pas si tu bouges pas. Mais t'es quand même... Bah, ton endurance ne montera pas quoi. Tu vas pas pouvoir. Ouais. Si t'es dans l'eau, t'es dans la merde. Parce que je pense pas que je vais essayer de passer à côté de la chose. Je vais essayer de te rejoindre maintenant. Maintenant que j'ai créé le respawn. Bah, c'est con parce que à chaque fois que je suis sans mon stuff, je vois plein de mouettes de partout. Et ouais. Putain, il y en avait une qui a été chill à côté de moi, à 5 mètres même pas. Elle était tranquille. Tu me dis ça pour que j'envoie une. Oh merde. Je l'ai eu. Attends, c'est un lox ou ça? Attends, c'est en fait, un lox. Ah non, je crois que c'était une moustique. Putain. Non, c'est du. Attends. Ah non, c'est des lox, putain. C'est vrai, c'est quoi ça? Il y a une épave de bateau là, c'est stylé. Attends, je vais activer ça, il y a peut-être un trésor. Ouais, je vais pas pouvoir aller plus loin, il y a deux lox qui prennent tout l'espace. Oh, il y a un coffre. Ah. Oh, il y avait pas grand chose, mais. Attends, je suis à côté de toi. Oui, je suis en train de courir vers toi. Ouais, le problème, c'est qu'il y a trois locks. Il y a trois locks juste à côté de moi. Il y en a un, j'ai l'impression. Ouais, il m'a vu. Oh putain. Oh merde, ça c'est la merde. Cours, Bobby, cours. Putain, oh là là, oh le merde que ça va être. Ok, il y en a qu'un seul sur les trois qui m'a chopé et qui m'a vu. Ok, il y a des moustiques. Je t'ouvre la voie.
Il y a tout. Il y a trois locks à côté là. Je vois des locks là, ouais. Un gros pas Euh, celui-là. il y en a qui poursuit. Continue de courir. Approche-toi de moi. Ok. Allez, cours. Oui, courons. Ouvrons Bobby. Ah, je te jure. Je crois qu'il va Cette peut-être scène. il va Il peut-être nous compile. laisser tranquille. Ok. On va Par y contre, arriver, on va c'était y terrible de arriver. se battre avec ces moustiques, par contre, au milieu des arbres comme ça. Ça fait 2 heures qu'on est là pour essayer de ramasser un pauvre totem, quoi. C'est ça. J'y crois pas. Ok. D'accord. Première fois que j'envoie des carcasses comme ça, tiens. Ouais, et j'ai trouvé un coffre dedans. Oh, c'est pas un moustique, ça? Je viens de voir un truc voler. Mais des fois, il y a des petites feuilles qui volent devant l'écran. Ah. Au début, j'ai cru, le faux aussi, Ah. j'ai cru que c'était un moustique, mais Je ça viens va. parano de la sœur. Et oui. À la tête. Normal, normal. J'étais mort par là, je crois. Putain, mais. Putain, c'est bien mieux que le celle que t'avais fait à côté. Ouais. Du coup, où il y avait l'espèce de troll. Là, c'est vraiment une belle tente là avec. Ouais, c'est pas mal. Ok, t'as mis ton spawn? Oui. Ça doit être bon, je vais vérifier Non, ça. il est pas réclamé. Oh là là, cinéma. Ah oui, merde, comment ça se fait? Ah, il est tout explosé, ok. Tout Ah, il est trop explosé. exposé. Attends, je vais voir ça. Est-ce que là, il peut pas? Est-ce que là, peut-être? Non, il est toujours Non, trop non, 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 explosé. il faut que je le ferme plus alors. On a un chien. Ah putain, je sais plus Attends, ah c'est quoi. si, là, c'est bon. C'est bon là? Ok, Ok, ouais. super. J'ai dû me Ok. mettre vraiment dans le coin, mais ça a passé. C'est le plus Nickel. important. Bon, est-ce que tu as de la bouffe? Est-ce que tu as mangé? Un petit peu, mais bon. Attends, attends, Va attends, falloir attends. Ça veut dire quoi ça un peu? Prends une tourte. Qu'est-ce que tu as comme bœuf? Raconte-moi. Explique-moi. Il me reste un peu de loup. Un peu de quoi? Mais Un peu j'ai de trois loup? bœufs. T'as 3 bœufs? Nickel. J'aurais pu te donner les Joli. trucs ça. Ok, allez, on y va. Dans la joie et la bonne humeur. Un oiseau. Ok, alors fais gaffe, est-ce qu'ils sont nombreux. Oh bah là. Faut qu'on les Faudrait qu'on aggro aille un par un, quoi. Ouais, ça faut Je réduire vais un peu mettre une le l'avant. flèche sur un mec. Tiens, il y en a un qui est là. Bouge pas. Je vais rester en défense, mon côté. Toi, je vais laisser l'arc. Ok, recule. Recule, 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 recule. Oh putain, il a une étoile sur. Ouais. Merde, merde, merde. Oh putain. Oh, quoi? Il m'a fait mal, putain. Ah bah les Je mecs à veux une étoile, ils font mal, hein. Les Oh, mecs. il y a des trucs, ouais. Ok, Il y a deux bon. qu'on y peut, bon. C'est compliqué. Ok, on en a tué deux. Ok, Donc un avec une étoile. Ok, c'est bien. Là, j'avais un bug qui n'était pas terrible après. Ça n'a pas aidé. J'en ai tué un autre. Parfait. Merde. Merde! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Ça commence bien. Tu t'es J'ai brûlé? marché dedans. Je suis passé dans le feu. J'en étais sûr. Il fait crever, bazar. C'est pas possible. Ah, on commence bien. On garde les bonnes habitudes. Ok, La j'ai juste eu prudence. une étoile. J'ai une Parfait, stam. ça. Il Parfait, reste plus parfait. qu'un. Putain, la stam dans le jeu, c'est l'horreur, quoi. Ouais, c'est embêtant. C'est clair, ça. Faut absolument que j'ai le buff reposé, en fait. Je vais essayer de l'avoir. Je vais aller le chercher. Caler là, à l'abri. Leur équipe. Et ce coup-ci, par contre, je suis tant qu'à faire, je vais utiliser mon buff aussi. Attends, je peux faire ça Si vous voulez pour que ça aille plus vite, je crois. Je vais attendre d'avoir le buff reposé parce que ça se trouve chiant. Bah, c'est sûr, ça va. Il y en a pas mal, par contre, dedans. J'entends pas de gros. Il n'y a pas de chaman et tout, ouais. Je comprends pas, non. Ok, c'est bon, j'ai le buff. J'arrive. Niveau bouffe, t'es comment? Ça va. Il me reste encore. Ok, j'ai Ok, fais deux. gaffe, j'en J'en ai attends quatre. pas mal encore. Hein. Deux buffs T'en as un gros. différents. Ouais, juste un. Putain, couillard. Un peu. Enculé, Tu sais quoi? Juste. Attends, il y a une étoile, lui, non? Ok, attends, juste un instant. là. Ouais. Attends, reste à côté, reste à côté. Attends, CF, non? Voilà. Ah, il prend mal ça.
Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Ce sera un peu plus costaud. Ok. Ok. Putain, ils ont fait des défis. Pas mal rigolé. Ouais, ils ont mis des pics et tout. Oh là, je te jure. J'espère vraiment qu'on va trouver un totem. Hein. Imagine, on trouve 4 totems, genre. Ouais, je veux dire, normalement. On en a un gros, hein. Ouais. Il est une lance. Ouais, ils sont chiants. On en a un gros, un deuxième à gauche. Oh putain. Tiens, sors. Il est pas sort. Au moins, c'est des... là, c'est des petits. Ils ont pas d'étoiles et tout. Sors-les. Ramène-les en arrière. Allez, il y en a combien? Il y en a 4. Lui, il a déjà une étoile, celui à droite. Hein. Ah non. Je le déglingue. Oh, ok, arrêtez encore. Allez, regarde ça. Il disperse. Putain, j'ai plus de stam. Reviens là. Reviens là, je vais te manger. Ok, viens là. Moins, là, il reste plus qu'un. Viens par ici. Ok, on est bien. Impeccable. Ça va mieux, ça va mieux. On avance, voilà. On avance. Une progression. Avec une lance là. Il a pas vu, trop bizarre. Ok, au moins. L'autre côté. Il y en a deux qui arrivent. Ah oui, je vois. Recule. C'est bon. Voilà. Je me suis pris. Ils ont pas d'étoile. Ah oui. Oh, ok, d'accord. C'est bon, tu les as bien. C'est sûr que tu fais un paquet de dégâts, bordel. Ah, il fait mal mon truc. Mais toi aussi, tu fais des gros dégâts, t'as. Ouais, mais... Après, bordel, non. Ouais, non, mais elle est pas mal en allumé, mais j'ai pas de skill dedans, donc c'est pas on a gros forcément... bourrin, quoi. Je parle. Attends, on y va comme des gobelins, quoi. On va lui agresser. Je vois pas de totem. Et, ah, il y en a un, attends, ici dedans, là. Il y en a un? Oh, il y en a un dedans, là. On est ici. T'en vois? Viens, allez, sors de là. Ah, tu parles de gobelins? Je parle de totem. Attends, mais merde, je bouge. Tu es. Attends. Mais c'est vrai qu'effectivement, où est-ce qu'il serait? Il y en a pas, hein, tout simplement. Où est-ce qu'il serait? Il y en a pas à tous les coups. Putain, sérieusement? Ah ouais, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est peut-être effectivement retourné dans le lieu où on était? C'est un délire dans le genre, c'est. Il doit y en avoir dans n'importe quel bio, moi je pense, mais c'est juste une chance que ça pop, quoi. Non, parce que je pense. Parce que l'espèce de poème qu'il y avait, du coup, c'était qu'il reposait parmi les siens. Et que c'était, du coup, que ces tribus le protégeaient, ouais. Enfin, protégeaient. Ah, tu crois que c'était dans le biome, on a oublié un camp ou quelque chose? Ouais. En tout cas, ça fait sens, déjà qu'on a trouvé quasiment tous. Du coup, dans cette zone-là. Chier. Ah, si c'est le cas, c'est relou. Faut qu'on retourne de l'autre côté. Ouais, je pense que ouais. Attends, j'avance vite fait par là, voir si je retrouve pas un dernier camp. Mm. Je vais vérifier si on a rien. Là, y a une tour là-bas. Ah. Bon, regarde. Allez, on va aller voir. C'est jamais. J'y crois pas trop, mais. Ah, on a plus trop d'espoir, c'est sûr. Ah, la galère. Je suis sûr. Bon, bah, de toute façon, est-ce qu'il y a un seul. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a eu un seul épisode du coup de live? Ou ce qui s'est passé, c'est ce qui. Devait vraiment se passer. C'est prévu. C'est un peu rare. Ce que je me demande, en fait, tu vois. C'est assez rare que ça se passe correctement. Premier épisode qu'on avait fait du coup tous les deux, ça s'appelait La Conquête de la Plaine. Oh la gueule, ça aurait dû s'appeler la Conquête sûr. De notre gueule. En fait, ils peuvent pas descendre. En fait, ils ont fait les escaliers mais ils peuvent pas les descendre. C'est intéressant, voilà, mais du coup. Ah, c'est intermittent, on va dire. Mais j'aime bien ces gens. Je vois des particules de gobelins qui tombent. Ouais, je te jure, quoi. Putain, je suis en FPS, quoi. Je vois des espèces de menhirs. J'ai regardé un peu. Je suis en mode FPS, quoi. Remarque, tu me diras, vu la vitesse à laquelle tu tires à l'arc.
Est-ce que c'est un caillou ça ou est-ce que c'est... Non, c'est un caillou. Et j'ai l'impression qu'en fait ça doit être... Est-ce que ce serait la fin de la... Attends, oh je vois des feux. Et Razor, je vois des feux. T'as des feux? Ouais, je vois des gros feux, il y a 5 ans. Ok. Un de plus. Oh, prépare le lit. Putain, c'est impossible. Ok, moi y'a rien dans ce tour. Oh, je te jure. Attends, je suis au niveau flèche. Il me reste plus que 72. On a tué que des... T'es parti avant? Putain de bordel. Et des moustiques. Alors on devrait appeler ça Goblin Slayer, sa petite série. Oh, il y a un troll par en tout cas. Ouais, il faut faire un lit. Ah oui, il y a un camp là-bas. Ok, je vois. Ouais, il y a un troll. Oui, il y a des trolls qui sont au milieu d'un... Ouais, des menhirs là. Ouais. Enfin non, des Stonehenge. C'est quoi, attends, Stonehenge. Bah vas-y, on peut peut-être aller au camp. Il y en a aussi dans le camp des chamans, enfin des trolls. Je pense pas qu'il y ait de trolls. Vas-y, on peut peut-être essayer de faire le camp. Attends, il y en a un là. Attends, c'est pas un... Si, il y en a un là, regarde à gauche là. Faut attirer le du coup sur ah, la si, ouais, putain. Oh, il y en a un. Il a l'air gros là. Attends, il a l'air énorme. Ok. Je pense que c'est pas un truc, une étoile. Attends, il y en a qui arrive, Ah, ce serait chiant ça. Attends, en parlant d'un truc qui a une étoile. Il y a une étoile lui ? Oh, ouais, il y a une étoile, tu vois. Allez, viens par là. Ah, si, je voulais plus sa vie. Eh bien. Ah, c'est con qu'on est. Là, j'ai gaspillé en fait un peu plus d'armure parce que putain. Je pense qu'on aura besoin là. Parce qu'ils sont nombreux. Allez, non, non, oh putain. Oh la tartine qui m'a mis. Ils sont grave nombreux, putain de bordel. Ouais, ça va être. Je t'ai dit, il va falloir faire un camp. Un de plus. Un autre camping, le Viking. Oh putain, voilà. Je reviens. C'est pas possible. Ouais, en vrai, je vais peut-être revenir. Bon, de toute façon, ouais. Là, je te retrouverai au lit. Ouais, c'est pour ça que je vais revenir à la base. Quel enfer. Ouais. On s'en sort pas. C'est compliqué comme situation. Non, mais je te jure, en fait, il est trop dur le jeu. C'est sûr, c'est un truc après qui est un peu fait pour être joué en multi, c'est sûr. Ça se comprend un peu. Est-ce que je viens te chercher peut-être avec le bateau? Non, j'arrive. On va dormir là et on va y aller ensemble en bateau peut-être après, mais... Ça marche. J'arrive. Plus de... Ok, enfin, je t'attends dans le lit. Ouais, très sage décision. Ah oui, mais faut que mon personnage se réchauffe. Il a pas envie. Il a lui. Il a pas envie. Allez, je dors. Voilà. Parfait. C'est-à-dire qu'il va falloir refarmer du bois, refaire un camp. Quelle galère. C'est ça. C'est bon, on voit la flotte bouger vite et tout. J'avais vu. Ok, bon. Dormi. Est-ce qu'on va réveiller cette nuit plutôt? En fait, j'aimerais bien récupérer nos lits et tout, mais bon, c'est une mauvaise idée. Faut mieux qu'on refarme, refarme du bois et tout, hein, parce que vaut mieux garder ce coin-là au cas où on meurt. C'est vrai. Bah après, au pire, on aura toujours un truc de repli en tout. Là, par contre, je bug. Ok, c'est bon. Ouais. Ok. Bon, écoute. Et du coup, c'était celle-là, tu me disais, je crois. Attends, non. Non, c'est l'autre côté. C'est là, on est en marche arrière. C'est en marche avant, il faut que tu aies marqué appuyer sur E, là. Voilà. Par contre, ça fait très bizarre, mais je suis à poil. Tu vois que j'ai même pas d'armes ni rien. Ça, on dirait limite, je m'apprête à jeter des cailloux sur quelqu'un, en fait. C'est ridicule. C'est ça. Les Vikings. Oh, la gueule des Vikings, je te jure. Mais ça, c'est... Non, en plus... Odin, il doit dire... Je regrette de les avoir envoyés, ces deux-là. Quel con, pourquoi je les ai choisis. On aurait pu demander à Julien de venir, tant qu'à faire, mais non. Je te jure. Qu'est-ce que tu veux? Allez, avance, putain de bateau. En vrai, maintenant, je suis en train de me dire, pour faire des petites XP comme ça, je devrais faire le petit bateau, en fait. Il n'est pas très maniable. C'est vrai. Et en plus, il aurait coûté moins de ressources, je pense, les petits.
Ouais, en plus. Faut que je vais me faire à manger vite fait. Pendant qu'on est Ouais, en qu'on train de navigue réveiller. avec le vent en pleine face, pas de soucis. Ouais, probablement, je pense. Ouais, il vient dans 3 heures. Viens tout de suite. Ah, la galère. Les Vikings en perdition, quoi. Donc le camp était à peu près par là-bas. Putain, par contre, si c'est vraiment le cas qu'on a oublié un camp dans notre biome et que le truc était là-bas, je suis dégueu. On a toujours le vent en face, qu'on n'a pas de chance là-dessus. C'est un truc de fou. Elle a fait la mouette, elle s'est suicidée, quoi. Ok. Je vais faire le tour de cette petite péninsule là. Des moustiques. Il faut pas qu'il shoote, par contre, faut pas qu'il y ait un moustique qui vienne shooter Brûle. Ok. Voilà. Oh, attends, on est passé devant là? Non, il est pas passé devant, je vais essayer de faire le tour du bout de terre là. Ah oui, autant pour Mais par moi, contre, je wesh. fais gaffe parce qu'il y a des moustiques à gauche. Bon, Ça me. l'avantage c'est qu'au moins Ouais. avec les moines, j'arrive à bien repérer sur la carte où sont les camps. Ah, où sont les camps? Ouais, j'avoue. Par contre, il a l'air bien chargé celui-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il est encore pire que celui qu'on avait fait et on avait eu pour les trolls. Je te jure. Tout que il y a du coup le troll que t'as dit qui a une couleur bizarre. Et il y a l'autre qui est du côté des menhirs. Et ouais. Ça va être quelque chose, ouais. Il va falloir faire des petites attaques ciblées. Attends, t'as vu là le petit îlot? Ce serait pas mal pour s'installer et faire un lit. Je suis quelque chose derrière? Ouais, parce que il pourrait pas nous atteindre Attends, attends, facilement. attends. Je vais Venir à freiner un toi. peu. Où est-ce qu'on est là? On est près de ton cadavre ou pas là? Voilà, ça. Où est-ce qu'on est? On en est où là par rapport à ton cadavre et tout là? On est en face Juste. là? Attends, je vérifie bien. Ouais, c'est bon, il est pile parallèle. Ok. Parfait. On a combien de perles d'ici par contre? Ah ouais. Attends, 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 je vais avancer quand même encore. Là, on est vraiment parallèle. Là, c'est pile là. Hop. C'est qu'il y a de la terre. On va peut-être s'arrêter là en fait. Il y a une petite terre à côté là. Ouais, c'est ça. On va laisser par là le bateau un peu plus loin. Tu vas faire quoi? 20-30 cm? Ouais, ça va faire mal, mais. Tu m'étonnes. Avec poinçon, c'est pire que les impôts. Ok, tu veux qu'on fasse un camp près de ce rocher là par exemple? Ouais, comme ça au moins ça Il est où le limite le camp nombre alors du coup? pouvoir faire de murs et de tours. Où est-ce qu'il est le camp qu'on a vu? Juste là en face. C'est là où il y a Ouais, le je vois stone. où. Ah oui, c'est là quand même. Ok, je le vois. Ok, Et on est on voit pas le mal ici. troll. On voit le troll là au loin. Il y a du bois ici en plus. Ah, je te jure quoi. On voit le troll au loin là qui est en train de faire des. Ouais, il y en a Qui deux, je regarde te jure. passivement. Est-ce que tu penses que je peux tenter peut-être de récupérer le stuff pour l'instant? Attends, 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 attends. Mais peut-être On va mettre un spawn ici. Bouge pas, attends 2 secondes, parce que si tu meurs. Oh putain, il est proche lui par contre. Hein. Oui, Il y a deux trolls. viens, viens par Ah ouais. Je là. m'éloigne bien, mais là, il y a deux Voilà. trolls à côté des Voilà, alors menhirs. reste ici. Il vient, il s'approche, ouais, on dirait. Oh putain, ouais, tu Il l'as vient aggro. direct. Tu l'as aggro. Non, 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 il vient Enfin, vers en toi. fait, ouais, enfin. Ils sont. Quand je dis aggro, en fait, c'est. C'était un peu trop près, ils te voient. Ils t'ont pas. Tu les as. Ils sont pas encore en combat, mais. Ils s'approchent pour Attends, venir non, ils voir. non, il repart. Il repart? C'est ça, question. Attends, il a une étoile? Est-ce qu'il a une étoile? Je crois que j'ai vu qu'il a une étoile. Oh putain. Je sais pas si c'est l'icône, tu sais, du coup, qui apparaît quand il te voit ou qui essaie de te chercher. Mais il y a trois. On va éviter Stone Age, je crois. Il y a trois toiles autour des J'arrive menhirs. pas à le placer.
c'est... Il y a trois putains de trolls autour des menhirs. Quel enfer. Il y a trois trolls. Putain, mais comment on va faire ça? Il y a trois trolls et Razzler, on fait quoi? J'en sais rien. On va essayer de faire le camp plutôt. Ouais. Il va falloir. Bon, après, là, je peux pas vraiment t'aider, malheureusement. C'est pas. Je m'en charge. Je peux donner mon slip sale pour faire une petite. Je sais pas, un foulard ou un truc dans le genre, mais c'est un peu tout. Ah bah ça. Putain, mais je te jure, quoi. Cette scène, merde. Cette scène, purée. Mais c'est pas possible. Regarde-moi ça. Mais il me pousse. Je vais faire du mal. Arrête de me pousser. On peut plus. Oh, j'ai plus de bois. Quel enfer pour faire les camps, ça. Oh, mais je te jure, quoi. Allez. Putain, ce con, quoi. Y a moyen? Ah oui, ah oui, y a moyen de zoomer, on dirait. Ok, ok. J'avais testé, mais ouais, putain, mais ouais, ils sont trois. En vrai, tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on est dans la merde. Se mettre sur le rocher et leur tirer dessus de là-haut, peut-être. C'est jouable. Ça pourrait aider. Ils vont probablement essayer de péter les lits à côté, mais... Au pire, est-ce qu'on peut construire un lit sur un rocher? Oui. Ah bah voilà. Ouais, j'aurais pu faire la maraque en haut, mais bon... Il faut 50 000 bois, et le problème c'est quand même là, on est vraiment en plein milieu de la pampa. Niveau bois, c'est pas la joie, quoi. Mais ouais. Putain, mais il y a... C'est quoi cette histoire quoi, avec ces trolls, bordel? Il est beaucoup plus dur que ceux qu'on a fait avant, putain, c'est dingue. Et ouais. Ouais J'espère qu'il y aura le totem au moins. Putain, mais tu sais que je sais trop, on va même pas le trouver quand je suis trop dégueu. Ouais, je pense que ma théorie, toi, quoi, c'était autour du boss, où il y avait les camps. Je sais pas. Je pense qu'en vrai, c'est un truc à fouiller. Si on trouve pas là, on fera ça, mais c'est pas possible, je suis tellement dégueu. La plupart des camps, on peut le voir surtout depuis l'entrée du boss. Ouais. À part celui avec le troll qui était un peu plus éloigné, tous les autres, depuis l'endroit où l'hôtel, là, tu pouvais le voir. Putain, mais je les entends rire de là. Essaye de prendre le lit. Ah, mais okay. il faut un feu. Il faut tellement de trucs pour faire mettre au-dessus de l'établi. Ok, le spawn est fait. C'est okay, le spawn est fait, c'est déjà pas mal. Par contre, faut bien que tu mettes... Oh putain, on est traqué. Oh, c'est okay, pas vrai. Je sais pas quoi te dire, la prochaine. Ah, mais c'est pas possible. Même pour faire la chèvre, ils vont m'éclater. Eh, mais on est... Essayez. Oh, attends. Les loups attaquent les machins là-bas. Ils m'ont tué aussi. Oh là, je te jure. Ok. Vas-y, je te regarde. Je te jure. Genre, il me touche. Mais c'est bien s'il se tape contre toi. Allez. Ce serait cool. T'abandonnes. Oula, attends, je vais faire la chèvre un peu là, si tu veux. En fait, ça arrive de tous les côtés, en fait. À droite, à gauche, au milieu. Oh bah oui, reviens là. Allez, viens là. Tu mourras pas. Voilà, je fais la chèvre. Ah, merde. J'ai pas sauté assez haut. Ah, je suis niqué. Faut toujours faire. Fais chier, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Hein. Ah. On n'a pas de chance. C'est ça, c'est terrible. C'est terrible, quoi, en fait. Enfin, en fait, il y a un pourcentage de chance d'être traqué ou d'avoir un truc, un event comme ça. Mais le pourcentage, il est faible. Hein. Oh putain. Je suis mort sur le lit. Ok, après je suis pas si loin que ça. Mais... Putain, je fais chier, j'en ai marre. Foutez-nous la paix, juste un tout petit peu comme ça. Et moi, j'ai même pas eu le temps de sortir de la tente, il m'a tué. Mais ouais. Mais pourquoi? Quelle horreur. Non, mais je te jure, on a aucun répit, quoi. Munition. Oh putain, il y a de loups qui sont là. Oh, putain, ils sont arrivés vraiment en mode charge. Ils m'ont chargé comme une troupe de cavaliers sur des pots piqués. Quel enfer. Ils sont même pas arrêtés pour me tuer. Ils m'ont juste balayé. Oh putain, je te jure.
Quel enfer. La punition. Il nous fout jamais la paix. Il y a une question toute bête, mais j'espère qu'il n'y aura pas cette mécanique-là pour le prochain boss qu'on va se faire. J'espère. Ça va être rigolo. Aussi. Tout que je crois que c'est... Attends, c'est pas plus costaud les bestioles qu'il y aura dans l'autre biome? Ah bah si. Oh putain de merde. Si, normalement, c'est censé être beaucoup plus puissant encore. Ah ouais, non, mais attends. Ça reste pas mal. C'est l'enfer. Alors après, j'ai bon espoir que si on tue le boss, ça va nous donner un item bonheur, qui nous permet de construire voilà plus de stuff ou j'en sais rien. Ça serait bien. Mais je sais pas quoi. C'est compliqué, ouais. Ah, tu sais quoi, tu sais, en prévision, je vais préparer... Ah non, j'ai pas de lit. J'ai réussi à revenir assez facile. Si, t'as un lit ici. Hein. Enfin, dans le sens, j'ai pas de stuff ou quoi que ce soit dans le champ. Ok. J'essaie de tant bien que mal de finir ce petit abri là. Mais je suis vraiment très intéressé perso par l'idée de faire un lit au-dessus. Parce que là, le temps qu'il pète, je veux dire, il peut péter des rochers, mais le temps qu'il pète celui-là, ça devrait aller quand même. Parce que je sens bien le coup, tu vois. Ils vont y aller. Ils vont exploser ça. Et on va se retrouver comme ça avec à se demander ce qu'on va pouvoir faire. Je te jure. Je vais attendre de bouffer ma dernière tourte parce que après j'ai plus rien à bouffer. Hein. C'est ça, c'est compliqué. Après, techniquement, on pourrait se faire une petite marmite entre guillemets. Là on a la viande de loup. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire cuire la viande de loup. Je pense qu'on va faire ça déjà. Ok, j'arrive. Hop. Alors, lit. Ah! Tu m'as poussé. J'arrivais plus à le mettre. Ok, un feu. Un feu. Ok. De quoi faire griller la viande de loup. Allez, on fait griller la viande de loup. T'as ton spawn, okay. Du coup, c'est bon. Moi, j'ai mon spawn, c'est bon. Je fais cuire la viande de loup et on y va. Ah, il y a pas de place. Ok, très bien. Oui, il y a deux places dessus. Ouais. Bon. Il me reste du bois. Attends, je peux en faire, oui. Faire un deuxième. Oh, t'inquiète. Non, c'est bon, il y en a un deuxième. Voilà. Bon, je pense qu'il doit être dessus, non? Ouais, ça marche. J'en ai encore une à faire briller derrière. Oh, attends, une place est libre. Ok. Voilà, on avance. Je veux dire qu'on récupère le stuff. Je vais me planquer ici pour avoir le bœuf reposé. Oh la galère. Ouais, ça c'est compliqué. Et c'est que le début. Je te jure, faut qu'on ait récupéré ton stuff. Alors, ok. Voilà, on aura un peu plus de nourriture comme ça. Ok, c'est bon, j'ai le bœuf de reposer. Eh, ça donne pas mal en vrai. Ouais, c'est attends. Franchement, la viande de loup, c'est pas mal. Hein. Ouais, parce que là, il y a même pas besoin de. Ok, on va récupérer ton stuff. Je sais pas où il est, c'est toi qui dois me guider, mais on va essayer d'éviter d'aggro les gros machins si ça te dérange pas. Tu sais la rivière qui est en fait. Attends, où putain, non, où là, oui. Par ici, non? Ouah, ils sont tous les deux à côté l'un de l'autre. Ouais, c'était de la rivière, j'étais. Ça m'avait ralenti un peu, du coup, il m'avait déglingué. Ok. Attends, on va vers le sud. Manger. Voilà. C'est pas grave. Putain, 2h20 et on a rien fait quoi. Rien. On a trouvé deux camps de gobelins. Ouais. C'est-à-dire, il y a plein de gobelins là-bas. Ouais, ah oui, ils sont près de ton cadavre. Oh oui, putain, je vois. On va passer peut-être de ce côté-là. Ils campent à côté de ton cadavre, genre. C'est ça, c'est terrible. Mais c'est un truc de fou. Oh, il y avait une mouette. Oh, c'est barré. Mais c'est si on les attaque par ce côté-là. Non, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils sont autour de ton truc? En fait, je crois. Tu sais ce qui se passe? Ah, bah non, c'est bizarre, ils peuvent nager normalement. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent revenir à leur point d'origine, mais qu'ils sont bloqués un peu par la rivière. Alors, ce que je vais faire,
Je vais me rapprocher, je vais les aggro, tu vas récupérer ton stuff et tu vas pouvoir t'équiper. Ok, on va essayer, on va essayer. J'ai pas le choix. Attends, ça me réduit ma vitesse ou pas? La Vitesse de passement masse. moins 5. Non, je peux pas regarder le bouclier. Ok, bah je vais les Ouais. aggro. Mais venez par là. Alors en plus, on délance, ouais. Ok. Géronimo. Géronimo, Géronimo. Oh non, il m'a entendu. Oh, non, non, non. Bouge. Oh putain, non. Dégage. Dégage. Il en reste Non. un? Non, c'est. J'ai le truc de Steam, tu sais, l'interface à la con là qui s'est mis. Oh putain, non, j'ai pas pu. Pourquoi ça? Par contre, j'ai. Bon, il y avait. Pourquoi j'ai pas pu le choper? Merde, hein. Crotte. J'ai deux gobelins sur moi là. Je vais aller dans ta direction, Je tranquillement. sais pas si les gobelins se battent contre les goudrons ou pas. Contre les goudrons, c'est une bonne question ça. Je pense que les goudrons, ils attaqueront n'importe quoi. Bah Inch'Allah, vas-y, on essaye. Ah, compliqué. Attends, merde. Oh putain, t'es là. Attends, non. Après, les goudrons vont nous exploser la gueule. C'est bon, ils attaquent les gobelins. Ah bon, c'est facile. Par contre, là, j'ai des gobelins sur le cul. Ils se font défoncer. Oh, Ah ils se font bah. massacrer par les goudrons. Ah bah oui, ça, je veux bien le croire. Ok. Ok, Je suis monté sur un rocher. je retourne vers le camp. Ok. Ok, bah c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Oh putain, quoi? Non mais sérieux. Quoi? Il y en a un qui est monté sur le rocher pour me buter. Et oui, ils peuvent monter quand même. Oh merde, j'aimais pas. Oh là. Je pensais que c'était des cons pour enfants. Pour faire peur. Ok, j'ai tué deux autres mecs. Bon, moi, on n'est pas trop loin. Ok, je les one shot celui-là. C'est la nuit qui arrive là, on est d'accord? Ouais. Oh J'arrive, putain, je suis à côté. il y a deux locks à côté. Vas-y, va dormir, viens, on va dormir. Oh non, tu l'as gros, oh non, non, non. Oh, je vais juste mourir, c'est pas grave. Ouais, loin. Non, Oh merde. Il peut pas traverser l'eau, lui, hein. ah, attends, est-ce qu'il peut traverser l'eau? C'est une bonne question. Il peut. Allez, Est-ce salut. qu'il... Je crois que c'est une bonne question pour tester s'il peut grimper. Enfin, grimper dans le sens. Surtout exploser les rochers, quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon gros? Ok, tu es en bas. Qu'est-ce que tu veux? Faut absolument qu'on passe la nuit. Parce que pareil, niveau bœuf, j'ai plus grand-chose. Il Ah, me c'est reste une compliqué. viande de loup cuite et une plaque bière, quoi. J'ai plus rien. Elle peut grimper. Ok, T'as bon, ta ouais, il y a. réponse. Ok, par contre, si tu viens vite, on peut peut-être dormir. Regarde ça comme il a grimpé comme un Viens fou. vite, viens vite, viens vite, viens vite, 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 vite. Allez, chaud. Oh putain, il te suit. Non? Ah, Tu c'est bon. crois? C'est bon, il est parti, je crois. Vite, 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 vite. Je suis mouillé, mais je m'en fiche. Oh là là, mais. Tu as vraiment peur d'être trempé, Oh sérieux. l'enfer quoi. Mais je Ok, la nuit, la nuit. La nuit passe, on meurt pas. situation. Ah là 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 là. C'est vraiment bien un jeu de survie en fait maintenant à ce niveau-là. Là, c'est un jeu de. Ok, ton cadavre. La question, voilà. Alors, il y a les locks qui sont là-bas. Ton cadavre est où? Du coup, bah, il était quasiment. Fille faut lock ça. Oui, je bien. Ok, normalement, on devrait être bien éloigné. Et ben, du coup, il est toujours au même endroit. Ah ouais, t'as pas réussi à récupérer. Ouais, il y avait trois cailloux qui étaient à côté. Ok, putain, ça a bien marché la technique de les emmener au goudron par contre. Ça, c'est sûr, ça ne tue Ah, pas beaucoup pas tout. il est là ton cadavre, non? Ah non, ça, c'est. Ah, c'est le. Ah non, c'est le. Ok, d'accord. Par contre, il y avait de la bouffe de loup dessus, donc je l'ai récupéré. Ouais, récupère. Ça, on va avoir besoin. Ok, apparemment, il n'y a plus de gobelins autour de ton cadavre. Ah, je pense qu'ils sont morts, ouais. Ouais. Je les ai amenés du coup, et après ils ont dû suivre le goût. Ok, c'est bon. Ton cadavre est safe. Par contre, ça veut dire Voilà. qu'on a peut-être liquidé pas mal dans le camp.
Ah ouais, bah là on a nettoyé un peu l'arrière-cour. Je pense qu'il reste quand même un beau paquet. Ouais, je pense. Est-ce que tu veux une petite viande de loup? Pour l'instant, c'est bon. Il m'en reste encore une. Ok, j'en ai encore une du coup en rab. Ok, super. Je suis vraiment pas concret. Hein. Là, c'est notre dernière chance. Hein. Honnêtement, là, si on trouve pas ici, on revient dans notre biome, on recherche là-bas. Et s'il n'y en a pas, c'est dire que c'est juste qu'on n'a pas eu de chance et il faut trouver un camp avec un totem, quoi. C'est compliqué. Ouais, mais je pense vraiment on a sûrement coupé un en fait là-bas. Je sais pas, c'est bizarre, on a fouillé tout pourtant. Enfin, je te Ah, mais dis, non, il n'y qui manque rien, quoi. La map, elle est full dévoilée. a pas. Ah, il y avait un petit coin où t'avais pas tout regardé encore. Et viens me voir, toi. Ok, c'est bon. Vite, équipe-toi, équipe-toi. Merde! Quoi? Attends, ah non, ok, non, c'est bon. Bon. J'ai eu peur. Il y en a qui appellent à l'aide, par contre, on dirait non. Ok. Tout est équipé, les buffs sont en voie d'arrivée. Ok, j'ai snipé le chaman. Très bien, ça. Ok. Ok, attention. Putain, la vache. Toi. Non, mais. Sérieusement, là? Non, j'ai plus d'endurance. Pourquoi j'ai plus d'endurance? Est-ce que t'as couru ou t'as bloqué peut-être? Oui, ça remonte même pas. Ah merde, j'ai trop de trucs, oh, putain. Qu'est-ce que je peux dégager? Ah ouais, c'est le métal. Oh bah le métal lourd. Ok. Ah, le métal lourd pour en chercher à la maison. T'as joué. Okay. J'ai l'impression qu'il tue le chaman, donc je vais y aller comme ça. Oh bon bah. Voilà. Voilà qui fait. Ok, fais gaffe, bon. il y a le gros là-bas. Oula, il a pas. Attends, il a. T'as pas vu sur son dos là? Sur son quoi? Et bah, déjà dans le camp, il y a un autre troll et c'est le même qu'on a eu dans la tour. C'est le même qu'on a eu dans la tour. C'est pas possible. C'est exactement le même. Il y a un gobelin sur le dos. Attends, c'est pas. Est-ce que c'est un chaman? Est-ce que c'est un troll seulement? Il y a deux trolls qui arrivent sur nous. Faut pas qu'on aggro les deux, hein. Faut qu'on en ait qu'un seul. Deux trolls différents, c'est ça le truc à retenir, voilà. Il y en a un qui est pas du même level que l'autre, hein. Non. On fait un aggro, okay, ouais. Un. Parfait, faut qu'on se fasse celui-là et que l'autre, faut pas qu'on l'aggro. Parce que là. Ok, lui, il a l'air d'avoir une étoile, enfin, il a pas d'étoile, hein. Ah, je pense, ouais. Il a une armure et il va être costaud. J'espère qu'il y aura le truc comme ça. Merde, il t'a pris l'aggro. Ouais. Ah, c'est un. Ouais, Berserker, ok, d'accord. Ça fait sens. J'ai encore un peu de flèche, après je peux te dépasser. Mais c'est compliqué. Si on arrive vraiment à finir tout le camp ce soir, je serais quand même content d'à côté. Ouais. Ok. Genre. Oh putain! What? Ah, il va éclater la gueule. Ah, moustique. Moustique, quoi? Dites, équipe ça. Oh, putain, non. Cours. Ouais, c'est. Oula, ça va être compliqué, ouais, avec les deux. Il faut vite qu'il meure vite là. Okay. Ok, bien. Moustique. Il est où? Il est sur moi. Ah non, il est sur toi maintenant. Ah putain. Ok, okay. Oh, il a looté un totem, je crois. Sérieux? Il a looté un totem. Non, il a looté un totem, c'est bon. C'est bon, on l'a. On l'a, on se casse. C'est sûr que c'est bien bon. C'est le bon truc. Et bon, j'ai quand même noté ça sur la map, histoire qu'on sache. Oh bordel! Vas-y, on se casse. On a ce qu'il faut. On va pouvoir invoquer le boss. Quelle histoire. C'est pas possible. Comment on fait? Attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, camp gobelin. Ouais, tu me notes. Au cas où.
putain, mais ouais. Ce camp, quand même, de l'enfer. Oh, l'enfer. Putain, mais il y avait un foutu troll. Ok, suis-moi, on va passer, on va faire tout le tour. Je te jure. On fait tout le tour. Ah, c'est compliqué, ouais. On se prenne pas les gros qui sont là, les locks et tout. En tout cas, les locks et tout, ils se battent pas entre eux. Ouais, c'est le problème. Ce serait bien, ouais. Très bien pratique. Oh la galère. Bon. Non, il est attendu là. Allez, on reprend le bateau, on se casse. On va maudit. Eh bien, quelle histoire, putain. Aïe, aïe, aïe. Eh ben. Il va vraiment falloir qu'on améliore notre stuff avant. Là, j'ai peur qu'on a du lent. Ouais, bah là, ça a dû pousser, donc on pourra la ramasser. Et on... Respirons. À ce moment-là, toi, si on a le lent, là, on peut quand même améliorer tout. La hache, tu ne sais pas la rigueur, non, mais... Au moins ouais. L'épée, nos armures comme il faut aussi. On sera bien, c'est comme ça. Allez, on rentre à la maison. Et pour une fois, je vais... Voilà. Voilà, là, c'est mieux déjà. Avec la hache, qu'est-ce que ça donne avec la hache? Ah, c'est pas mal comme ça, en vrai. Ouais, là c'est déjà plus stylé. J'ai essayé d'augmenter un peu les settings, hein, parce que putain, c'est mieux. Je sais pas si t'as vu sur les captures d'écran que j'ai pris. Ouais, c'était pas incroyable, mais ça m'a pas choqué non plus, ça va. Ouais, c'est... Alors, si tu regardes de près, en fait, c'est tout pixelisé, tu vois, donc c'est compliqué. L'agitation, je m'en fous. Ça, je m'en fiche. J'adore. Ok, on a le vent dans le dos pour une fois. C'est intéressant, ça, c'est bien pour une fois. Moustique. Oh, putain. Merde. Est-ce qu'il peut suivre le bateau? Ouais. Je crois qu'il est mort. Ah oui, il va aussi vite que ça. Je crois qu'il est mort, il s'est éclaté dans les voiles, je sais pas ce qui s'est passé. Génial ça. Trop bizarre. Ok, allez, on se casse. Bordel, allez. On a eu le dernier totem sur un mob, quoi. Si ça, c'est un. C'est étonnant quand même qu'il puisse disposer ce genre de truc. Parce que tu vois, encore l'autre là avec son étoile, j'aurais dit ouais, mais là, lui, m'attendait pas. Ouah. Ah, voir, retour au bercail. En plus, on va pouvoir avoir la viande de serpent là. C'est vrai, on va pouvoir faire de la bonne bouffe en coup. Ah ouais, on va faire de la bonne bouffe et tout, on vient se préparer et on va essayer d'invoquer le boss, on va voir ce que ça fait. Hein. Par contre, on n'avait pas laissé tout dans le coffre. Ouais, mais pas des trucs importants, je pense. J'ai mis dans la soute, j'ai mis pas mal de trucs. Ok. C'est bon à savoir. Ouais, c'est pas des trucs super importants, je crois, mais... Non, pas je vois 6 toi. Par contre, du coup, vu qu'il était de ton côté, toi, l'autre troll, t'as pu voir son level ou pas? À gauche, il y avait des plaines aussi. L'autre, non, j'ai pas pu voir son level. Alors, peut-être pas, ou alors c'est un autre type de troll qu'on n'a pas encore affronté. Tu vois, en fait, t'as des trolls bleus là. Il y en a des normaux, il y en a avec des gourdins, tu vois. Bah là, peut-être que c'est pareil. Il y en a peut-être des normaux et d'autres avec des. Je sais pas quoi là. Bah, des armures. Oui, peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'était une armure. Ouais. Ça donne l'impression que c'en était. Ouais. Il y avait des genres de trucs en fer, en bois là sur les épaules et tout. Ouais. Blin berserk, je pense que ça s'applique. Ok, allez. Ok, j'ai trouvé un wiki. Oh putain. Attends. Ouais, ça doit être... C'est un niveau 2. Un niveau 2. Oh la vache. Heureusement qu'on l'a pas. Heureusement qu'on a pas... Et la différence, attends, c'est combien la différence entre le niveau 0 et le niveau 2 ouais. Ah ouais, le niveau il est à 800 de PV et l'autre 2000. Quel... La part c'est un truc par contre. Non. J'ai entendu un gros petit bruit. Non, tout va bien.
On n'a rien touché du tout. Impeccable. Je pilote à la merveille. Parce que... Aucun rocher n'a été blessé pendant ce tournage. Et du coup, ok, donc en gros, un Lox a un poil plus de vie qu'un troll normal. Et pour un troll niveau 2, putain, oh là là. Il a deux fois plus de PV qu'un Lox. La vache. C'est pas mal. Putain, y a des gobelins qui nous coursent. Mais ouais, je suis en train de regarder, mais non, je vois pas d'autres trucs qui pourraient ressembler. Ouais, ouais bah écoute, ouais, ça devait être ça. Hein. Et le pire, c'est qu'en tout, il y avait au moins 5 trolls dans cette putain de... Et des trolls normales, hein, que les verts, on en parle. Là. Ouais. Mais 5 trolls, bordel, dans un putain de... On va peut-être avoir un moustique qui arrive. Oh bah merde. Moustique. Ça. Quand on part de là. Ouais, tu l'as vu. Hmm. Non, j'ai... Non, non, il a du... En fait, on... Ah oui, en fait, on peut les chouiller. En fait, si on rentre à pleine vitesse dans un truc, il meurt, en fait. Oh, il y a des rochers. Oh, putain. Ça je passe. Pense que le tiron, ton rocher. Ok. Allez, on y va. En fait, ce qui serait top, c'est qu'on trouve un serpent de mer sur la route. Ah oui. C'est pas ce qu'on puisse pas se battre dans la mer, par contre, avec un couteau, tu vois, par exemple. Parce qu'une épée et une hache, je suis bien. Et ouais, bah en fait, tu peux à main nue, je crois. Mais sinon, ouais. Il range son arme à chaque fois. C'est ça, ouais, quand tu. Bah, tu peux donner des coups de poing, mais c'est tout. T'as tous les cadavres, attends, je vais les désactiver parce que. En vrai, faut tester ouais, avec un couteau si ça marche. Parce que je pense, franchement, les serpents de mer, ils ont pas beaucoup PV en vrai. Je pense qu'on les éclate très vite avec une arme. Peut-être, essayez voir. Et je pense que l'arme va rentrer dans ta poche. En tout cas, ouais, parce que. C'est le problème, c'est que j'ai baissé quand même beaucoup les graphiques. Parce que là, ça marchait pas très bien sur mon PC. Parce que quand je vois sur ton live à toi, je dis, oh putain, c'est pas mal quand même. Et ouais, encore là. Que la qualité est peut-être un peu réduite par. Peut-être un peu réduite par YouTube quand même. Toujours sur les flots, hein, c'est galéré, on est allé dans un autre biome, on a pété des gobelins, puis on va plus savoir qu'en faire. Je crois qu'on est un peu échoué là. Donc on va s'arrêter par là. Oui. Qu'est-ce que je peux récupérer ça? Ça peut être utile, ça c'est très utile. Si je prends ça, je suis encombré. Mais oui, il y a la maison là. Oui. Des choses, j'ai eu de la place. Attends, bouge pas, merde. Donc ouais. On rentre, on se fait des armures. Ok, on tient de la place. Et là, du coup, on a normalement trouvé le dernier totem pour invoquer le boss. Enfin, j'espère que c'est ça. Si ça se trouve, on va arriver, on va mettre les 4 trucs, ça va pas marcher. Triche. Oh putain. C'est quand on est perdu qu'on peut le mieux se retrouver. C'est pas faux, c'est une belle phrase. Donc là, retour à la base. C'est ça. On va pouvoir se faire du pain, on va pouvoir se faire des. On a tué un serpent de mer, du coup, hein, pour se faire des trucs avec les steaks, là. C'est vrai. J'ai l'impression que... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait une sale gueule, le moulin. Ils l'ont fracassé. Tu m'as fait peur, le machin. Ok, retour à la maison. Pff, quel plaisir. Attends, je vais remettre le respawn tout de suite. Oui. Très important. Très très important. Ok, point de réapparition défini. Oui, parce que là, le bout du monde en plus avec. Je vais tout réparer. Putain, oh. Tu parles d'un truc. Je te jure. Ah ouais. Ok, qu'est-ce ok. Que... Là, on est pas mal. Je vais poser le totem. Le dernier oui. Totem d'immunité. J'espère que ça marche. Ok, on a les 5 totems. Normalement, on a de quoi invoquer le boss. Oh, il faut peut-être se préparer avant, par contre, je sens qu'il va spawn direct. Ah, il faut qu'on se prépare. Ah oui, il spawn direct, hein, ça c'est sûr. Tous les autres ont ouais. Fait ça, donc... Il n'y a pas de raison. Bon, ah oui, il faut que j'aille chercher le lin, du coup. Ok, attends, on va faire ça. En pensant, je vais m'occuper de la forge. Merde. Non. Fuck. Bon, on n'aura pas de pouvoir pour le boss. C'est ce que je dis, là. Ça, c'était très responsable de faire ça tout de suite. J'ai pas... J'ai mis ce clic.
On dirait, effectivement. Ah, on a encore un peu de viande de loque, ça c'est bien. Ça oui. Allez, ouvre le coffre. On a tué 2 locks tout à l'heure. Non, 3, on a tué 3 locks tout à l'heure, ouais. Ah, on a tué un paquet. Hein. Poser ça là. C'est très bien. Ah, du ça. Coup, je vais pouvoir refaire la viande. Ah, c'est bien ça. Ok, il me faut ça. Je vais regarder ce qu'on peut faire. Ah oui, non. Putain, il me faut du bois. Ah, ça, c'est mieux. Ah, ça marche pas ce bois, évidemment. Ok, bon, moi je vais chercher du coup du charbon pour l'instant. Ok. Après, laisse les. Enfin, on n'est pas obligé de mettre trop de trucs en route. Hein. Non, c'est surtout pour lancer les forges et ouvrir un peu tout ce bazar. Ok, je refais des viandes de loup au miel là. Séché. Ouais, c'est séché son nom. Ça coûte que du miel en plus, comme ça. Ouais, c'est vraiment facile à faire. C'est une 33-33, ça me fait 2 par 2. Ça, c'est super. Ok, faut que je vois ce que je peux faire avec la viande de serpent. J'ai vu qu'il y avait une super recette. Je rappelle de la soupe, mais je rappellerai pas. Ah, c'est la soupe de serpent, je crois. 80 points de vie. Il faut des champis rouges. Ah. Pendant une demi-heure. Ça, c'est ultra bien. Et après, je vais faire du pain. Je crois qu'on a. D'ailleurs, j'en ai fait du pain. Je sais plus où il est, mais il y a du pain quelque part. Oh, il y a 8 pains. C'est un début. Donc, champi rouge, je crois qu'on en a un petit peu dans l'autre base. Je vais chercher. Merci, Joe. Merci à toi. Puisse le sort, vous êtes favorable. Eh oui. Il faut. Ok, j'ai 4. Ça, c'est pas mal. Bon, j'avais fermé un peu de bois par contre pour refaire des flèches. Ouais, alors je vais en refaire avec les plumes et les. En façon, en fait, ce qu'il nous faut surtout, c'est des plumes. Tu en as trouvé quelques-unes des plumes ou pas du tout? J'en ai ramené un petit peu, ouais. Ah, je les ai sur moi, il y en a 6. T'en as 6 sur toi, donc c'est pas mal. C'est un début. Il y a des zones qui sont en fleurs, donc je vais les récupérer. Ouais, pour avoir des grades avec. Ouais. Ça c'est cool. Du coup, t'as dit qu'il fallait un cultivateur. Oui, ça avec du bronze. Ah, je n'ai pas de bronze sur moi, c'est embêtant ça. Attends, mais tu fais quoi toi là? Après, je vais te filer le cultivateur si tu veux. Bah, c'est vrai, il va falloir que j'apprenne un peu comment ça marche. Mais. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc je vais faire la bouffe. Qu'est-ce qui me manque? Un peu plus des fois. Ah, il faut que je grille le serpent, c'est vrai. Ah oui, j'ai pas fait la. Parce que ça a pas marché là-dessus, j'imagine. Et ouais. Il faut que je fabrique du coup. La grosse grille. 3 chaînes, 3 fers. Après, on peut pas récupérer celle de l'autre base. Enfin. Ah si, c'est vrai, je peux récupérer les chaînes dessus, du moins. Le fer, je peux pas le ramener. Et je peux récupérer les chaînes. C'est vrai que ça, c'est un truc qui est un peu embêtant. Je sais pas, il y en a plus de chaînes. Il me semblait qu'on en avait des chaînes. Non, ça, il y avait des. C'était Bouclier qui demandait des chaînes. On a tout claqué du coup? Ouais. Bah, du coup, je vais faire ça, je vais détruire l'autre. Il fait nuit là. Ouais, je crois c'est tout. Oui, mais. Je suis une plume avec quoi. Ok, c'est bon. J'ai les chaînes et le fer. Le fer, je suis obligé de le laisser là, malheureusement. Ça, c'est sûr. Je vais essayer pas un autre truc qui peut m'être utile avant de partir. Et je crois que non. Ok. Allez, c'est parti. Je sais plus s'il y avait pas des flèches qui restaient. Alors. Ouais, il reste un peu de flèches de glace. Ouais, quelques petites fléchettes, ouais, c'est pas. Une à 8, bon. C'est toujours ça de prix, tu viens. Ouais, c'est abusé tout ce qu'on pouvait vendre pour être riche. Mais ouais, si seulement on avait ce fameux. On pourrait payer un mercenaire, purée, pour qu'il fasse notre boulot à notre place. Faire construire un petit palace pour le regarder tuer des gobelins. Impeccable, je peux faire cuire les viandes. Très bien. Merci. Pour le fichier.
Et ouais, c'est ça, on pourrait vivre la belle vie. Comme ça, on aura. Ouais, c'est... en fait, on est bon, là, niveau bouffe, on est vraiment pas mal. Hein. Ça, c'est très cool. T'as encore des viandes de loup ou pas, toi? J'en ai. J'en ai 3 qui sont. Ah non, c'est pas la viande de loup, c'est la viande. Attends, j'ai 4 viandes de daim et j'ai 3 viandes de, du coup, de sanglier. Viande de sanglier, ouais, surtout la loup qu'il me faudrait. Ok, ça marche. Non, j'en ai pas. Après, sanglier, il y a encore des sous qu'on peut faire. Et le daim, ouais, c'est pareil. Ouais, mais ce sera moins violent que les grosses soupes là que je vais faire. Ah oui, c'est sûr. Mais, c'est un début, on va dire. Non. Ok, soupe de serpent, c'est parti. Attends, on a tellement. Putain, mais. Tu sais qu'en plus j'ai dû lâcher 26 morceaux d'acier noir quand on était là-bas. Ouais. J'en avais 26 sur mon cadavre et je peux pas du tout prendre. Du coup je te mets la viande là avec de l'ox. Attends, what? Ça c'est ensemble, c'est mais bien. What? Hmm? Je sais pas, j'essaie de les scinder mais il veut pas. Ah ça y est. Ok, tout va bien. Alors tiens, je te file ça déjà. Les mange pas tout de suite, hein. Oui. C'est des grosses soupes. Ah oui, putain, ouais, ça fond. Des soupes de bâtard, comme on dit dans le milieu. Effectivement, ça le coste aussi. Tout. Ok, un alpin qui est là. Il me faut ça. Ça, j'ai pas beaucoup de plumes. Ok. Et du coup, j'ai mis du coup en haut à gauche. Je t'ai mis du coup les plumes et la viande. Alors, en haut à gauche, tu m'as dit? Ouais, en haut à gauche, c'est ça. Alors, plume. Ah oui, t'en as pas mal, bien. Ok, je vais faire des flèches. Que tu veux du bois, par contre, j'en ai un peu. Je les pique, oui. Non, c'est bon pour l'instant. Je vais faire en fait les flèches en aiguille, il faut juste des flèches et des aiguilles. D'ailleurs, les aiguilles, j'en ai là, si tu veux. J'en ai 19 sur moi. Ah, bien. Mets-la dans le coffre du haut à gauche. Ouf, il est bon. Avant, tu veux pas quand même donner un petit coup d'amélioration sur ta masse? Ouais, pourquoi pas, mais j'en ai encore des trucs. Maintenant, je sais pas, ma masse elle améliore à fond. En fait, on peut l'améliorer encore une fois, mais il faut qu'on passe l'établi niveau 7 et on a rien pour le faire encore. Très bien. Bon, bah, du coup, j'ai passé. Attends, tu sais quoi, je te mets dans le même coffre du coup les flèches. Okay. Allez. Les pics. Merde, c'est vrai, ça tient les œufs. Ouais, les œufs, il y en a un dans un coffre. Ouais, c'était pour faire justement un petit élevage. Et ouais, mais je sais pas comment ça marche. Ah là là. On aurait pu avoir des petites aubettes là le matin. Tac, tac, tac. Et du coup, je vais faire cuire un peu de pain. Est-ce qu'il nous reste des. Il nous reste pas des farines d'orge, je sais pas quoi là. Je n'ai pas laissé quelque part. Il y en a peut-être 2 dans le coffre où je suis là. Putain, dis-moi, merde, en parlant de ça, ouais. Le lin, il en est où, du coup? Faut que j'aille le chercher. Attends, viens, on passe la nuit. Pour pas qu'on aggro des bestioles dehors là. J'espère juste qu'il va pas se faire éclater pendant la nuit. Parce que ça, viens dormir, on fonce là-bas, on va chercher tout le lin, on met tout à faire. Et on s'apprend, on est parti. On est bon, ok. On va être bon. Il y a pas un truc dehors. Ok. Je pense qu'il y a une bestiole qui nous attend dehors là. C'est possible. Ça fait longtemps qu'il n'a pas rêvé le perso par contre. Ouais, moi il rêve, moi. Ah, il y a bien des bestioles dehors. Ouais. Moi j'ai entendu que ça se bastonnait. Hein. Ça veut dire qu'il doit avoir du nain. Ouais, allez, on va chercher le nain. Je vais voir les du coup nos petits visiteurs en pensant. Vas-y. Attends, faut que je mange un truc quand même parce que sinon. Oui, ça va être compliqué. Je risque de me faire défoncer. Et tu sais quoi, je vais aussi chercher le bois pour faire plus de flèches. Si tu veux, du coup là j'ai 144 flèches. Hein. Oui, de flèches de pique. Hein. Enfin aiguille. Ok, le lin est prêt. Parfait. Je vais tout ramasser. On va en faire un peu
côté parce que j'en ai. Ah ouais, ouais, il y a. Ok, il y a deux gobelins qui sont morts cette nuit. Qui sont morts? Ah ouais, ouais, j'ai retrouvé leur métal. C'est bizarre. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui peut tuer des gobelins. Hein. Ah, c'est vrai qu'ils ont pas trop de prédateurs, on va dire, ouais. Enfin bon, bah, le métal est là, j'ai envie de dire. Ouais. Et est-ce que. Il n'y a plus de métal. Ok, il n'y a plus de fer à faire. Et calme. Très bien, très bien. Et du coup, ta farine est faite. Je te la mets aussi dans le coffre, pareil avec la viande et tout. Ok, super. Mais après, tu peux faire des. Tu peux le faire hein, si tu veux des pâtes à pain. Ok. Parce que j'ai un peu peur, je t'avoue, sur une connerie. Non, c'est facile. Tu regardes une pâte à pain. Il faut de la farine et je sais plus ce qu'il faut d'autre. Mmh. Ça te fait deux pâtes à pain. Pâtes à pain, oui. Ouais. Et après, une fois que t'as les pâtes à pain, tu les mets dans le four qui est dehors et t'attends juste que ça cuise. Ah. Ok. Cultivateur. Combien j'en ai? 86. Ah ouais, d'accord. Le 31, c'est ça? Ouais, j'ai un truc qui s'appelle une tarte de l'ox qui est pas cuite. Attends, oui, il y a ça aussi, ouais. Mais du coup, c'est pas ça, d'accord. Bah, tu peux faire ça, mais ça consomme beaucoup plus de compos. Et t'as un autre truc qui s'appelle pâte à pain, qui est plus facile à faire, on va dire. Il va vraiment falloir que je change. Ah, Bredos, ça va être ça, ouais. Vraiment, je. Oh, mais non, on a pas assez. 10, 11, 12. Eh, on a 5 du coup de farine et il en faut 10. Ah, oui, d'accord, ok, mais on a pas assez. 5. Et attends, il tape sur un truc. 5, 6, 7. On va faire comme ça, j'en garde 50. Oh, oui. Oh la saloperie. Et on va replanter de l'orge. Reviens là, saleté. Oh merde, j'ai crevé. Non. Ah non. Ok. Oh, il m'a fait craindre. C'est pas possible. Il y en a qui est en train de taper du coup ton petit. Et ouais. Ok, allez, je garde 50 orges, 50 lin, le reste est planté. On va mettre tout ça en fonctionnement. C'est là, d'accord, très bien. On va essayer de finir d'améliorer notre équipement et let's go. Hein. Ah oui, il va falloir. Il faut. En fait, il faudrait que je fasse des potions de vie, mais il me faut des framboises, j'en ai plus assez. T'es fou. Ah non, j'ai ramené des fraises. Merde. Ok, ça c'est parti. Ok. Ok, et ça c'est parti aussi. Ok, moi j'ai 4 pâtes à pain donc je vais les faire cuire là-dedans. Ah, ouais, les gars. Putain, ça coûte. Oh putain, ça coûte cher en. Ça coûte cher en lin. Ouais, on en a combien de lin par contre du coup? Je vais te dire ça si j'arrive à les retrouver. Je crois qu'ils sont là-dedans. On en a 11. Hmm. C'est pas énorme. Il y en a 40 qui sont en crafting. Ah, ok, c'est déjà mieux, oui, effectivement. Mais ça met un peu de temps, quoi. Ok, parce que du coup, ça va dire. Bien. Par exemple, pour ta. Là, pour. Ouais, non. Ça... Donc du coup, niveau bouffe, on aura du pain pour la stamina, on aura les soupes de serpent pour la vie, et on aura la viande séchée qui donne les deux. Mmh, j'ai un peu de tout, ouais. Donc ça, on est pas mal. Ça devrait... Niveau stuff, donc moi, je suis à 2-2-2 sur mon stuff. Mmh. Ma masse, elle a fond et mon arc, il est bien.
Ok. Bah, mon arc est à fond aussi, mais il est un peu puissant, ouais. Ouais. Ça, je préfère autant te laisser tirer. Ouais, il aurait fallu qu'on fasse un bel arc, mais il nous faut pas mal de compos. Il nous faut de l'argent, surtout, en fait. C'est compliqué, ouais. Moi, j'ai commencé mon perso bien après toi, donc maintenant, c'est bon. Ok, 4 pains en plus. Ok, donc je vais te filer à moitié de mon pain. Ça, les serpents, j'en ai bien 2, c'est bon. Tiens. Je t'ai filé 6 pains. Ah, j'ai eu le pain. Je te file de la viande de loup. Ok, parfait, je les ai reçus aussi. Impeccable, impeccable, très bon. Très bien. Tu veux améliorer ton sel, c'est ça? Ouais. Je te file les 16 lins pour l'instant. Et du coup, ça coûte aussi du lin là pour améliorer ta pique? Ça me donne. C'est du pique, enfin du. Des aiguilles et du fer. Ok, bon, au moins ça c'est plus simple. C'est, cool. C'est facile, mais ben, de toute façon je peux pas. Ah, mais on a des champignons rouges, cool. Cool. Bon, du coup, j'ai déjà un coup sur mon épée. 3. Encore un. De toute façon, ouais, ça coûte juste trop cher. Du miel, je crois. Pour il reste. Ok, je vais pouvoir refaire 3 soupes de serpent. Très bien, ça. Oh putain, ouais. Ok. Ok, je te refile une. Hop. Bien. Ok, parfait. Et un cibo. Impeccable. Je vais améliorer par contre la petite tunique là que j'ai. Non, j'ai pas l'impression. Voilà, dire. Ah si, attends, je pourrais en vrai. Ok, on est pas mal là. Bien mieux, c'est chiant. Tu en es où Tiens, on prend ça là. Est-ce que t'as tes 20 là pour améliorer ton truc? Ça va. T'en as combien là? Du coup, on a plus de farine. Hein. Ouais, j'en ai 5 sur moi là. Tu veux 5 sur toi? Ouais, je viens. Bon, je vais mettre dans le coffre en haut à droite. Ok. Et donc dans celui-là, il y a 50, ok. À droite, à droite. Ah ouais, je regarde un peu tout. Ah, il y en a encore une là. Désolé. Hop. 5, ça en fait 6. Ça s'en est où, ça? Ah, pas mal. Je vais refaire un peu de pain et on sera pas mal. Attends, je revérifie aussi là. La tourte, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était pas mal, je crois que c'était la stam aussi. En vrai, il fallait pas taper, hein, je pense. Oh, bien, ouais. Hop. J'ai eu un petit coup par contre sur mon armure, vite fait. Tac, j'ai un nouveau 2 pains en plus. Upgrade. On va être pas mal. Ok, je sais pas où on en est au niveau de la journée. J'ai l'impression que le soleil va commencer légèrement à se coucher. Je pense que ça va être le moment. Je pense qu'on finit bricoler là. Oui. On dort et on va péter la gueule au boss. En fait, ce qui m'emmerde là, c'est. J'aurais bien aimé avoir des potions de vie en fait. Oh merde. Ah, ok, d'accord. Juste la question par contre, c'est que. Tant qu'à faire, ce serait pas mal si je pouvais essayer de me faire un arc du coup de drogue. Il faut du fer, il faut qu'on aille farmer en montagne et tout, on va pas pouvoir. C'est du fer comment? C'est pas du fer, c'est de l'argent. Ah merde, ouais, non, ça c'est bon. Ouais. Donc c'est super chaud, il nous faut au moins une heure encore. On va faire comme ça, mais après si t'arrives à tanker un peu ses coups. C'est déjà ça, oui. On va voir comment. Enfin, je sais pas ce qu'il va faire le boss en fait, on va voir. Ça c'est une bonne question. Ouais. Ok, je vais commencer à prendre les petits totems avec moi. Ok, j'ai 5 totems. Je vais activer ça au cas où. Tu m'as dit que t'avais des flèches, toi, c'est bon? Ouais, j'en ai. Ouais, j'ai des flèches de base, tu vois. Et des flèches en bois. Ah oui, d'accord. T'as un truc, une question. Est-ce que tu peux augmenter le workbench au niveau 5? On est quoi, niveau 4 là?
Le niveau 4, justement. Oui, on doit pouvoir. Ok, ça coûterait quoi, parce que... Et il te le faut, là? Ouais. Il y a des trucs... Je crois que j'ai pas mis... J'ai pas mis de support tannage. Il me faut 15 silex, 10 bois, 20 bouts de cuir, 20 serres. Ah, 20 serres, ouais, non, on va pas, si. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Après, si, je peux récupérer celui de l'eau de base. Ah oui, à la rigueur. Mais ouais. Est-ce qu'on a assez de silex? C'est surtout ça, je crois qu'on a plus de silex en fait. Dire ah si, 20 silex. Ah. 20 silex, 15 bouts de cuir. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Il me faut encore des bouts de cuir, il me faut du bois. Et 5 pots de serre. Si, 5 pots de serre, on doit les avoir. Okay. Bon, je l'ai enfermé un peu. Je récupère un peu du bois d'à côté pour l'instant. Ouais, ouais. On a plus de pots de serre aussi. Mais. Oh là là. Il me semblait qu'il en restait les pots de serre. Ouais. Mais c'est quoi? C'est justement la cape que je suis fait, elle est à base de serre. Oh. C'est le problème. On bouge pas. Ah, mais attends. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, cherche pas. J'ai pété celui qui était l'autre base, je ramène ici. J'aurais dû faire ça bien avant. Est-ce que je peux le mettre à l'étage? Ça serait pas mal. Ah, je sais pas, d'un côté, parce que si. En vrai, toi, si on pouvait finir en faisant une base, toi, qui serait marrante à avoir, tu vois. Avec genre vraiment l'étage, que des lignes, des trucs dans le genre. Que des trucs vraiment pour le confort. Ouais. Pas de problème. C'est que ça prend de la place cette merde. Ah oui, ça c'est sûr. Je vais le mettre là quand même. Ok, atelier niveau 5. Parfait. Incroyable. Impeccable. Putain. Qu'est-ce que tu fais là toi? Casse-toi. Ah, j'ai plus d'endurance, merde. Ah merde, je peux pas taper, ouais, parce que j'ai trop. Oh, truc. Ah merci. Oh, saleté, va. Merde, où il est passé? J'ai tué. Ouais, mais le bois. Ah, t'as dû le prendre, ok. Ah, merde, oui, c'est du bois dur, hein, tiens. Oh, bon, ok. Bon, c'est au cas où il y en a besoin plus tard, peut-être. Ouais, je sais pas. Ok. Non, je pense pas. Bah, écoute, on est pas mal. On est pas mal. Je vais reposer des petits trucs. Faut juste, effectivement, que tu répares et que tu améliores ton armure, surtout. Ça. Bien costaud, bien résistant. Toi, tu l'as amélioré, toi, la tienne? Ah ouais, j'ai donné un coup d'amélioration sur mon armure. Ouais. Et on a plus tellement de lent, en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que il faudrait qu'on arrive à passer la nuit, en fait. Faut qu'il fasse nuit, au moins tout le lin sera prêt, quoi. C'est vrai. Ouais, 20 lin, 20 lin. Tout est à 29. Je sais pas s'il fait nuit, il fait nuit ou pas. Oh, ça doit être après-midi là. Un peu de temps. Ok. Mais attends. Non, pas là. Si tu cherches. Je vais améliorer la cape. Ouais, bon, la cape, c'est pas. Ça donne un peu d'armure. Ça donne pas d'armure en plus, je crois pas. D'améliorer. T'es sûr, ça tombe. Je crois que ça donne rien du tout en fait. La mienne, par exemple, maintenant elle me donne 4 d'armure. 4 d'armure? Ouais. Oh, bah j'ai rien dit alors. Tout ce que ça demande, c'est, tu sais, les morceaux d'os et de la peau qui correspond à l'armure en question. Et ouais, moi c'est des trucs de troll. Ah, mais on a tué des trolls récemment. Ouais. Mais je sais pas où on a foutu les points. Oh, je sais où c'est, je l'ai cherché. C'est dans le bateau. Ah ouais, bon, bah t'en mets pas, on s'en fout. Franchement, okay. Là, il est tard. Si on peut lancer le boss et on voit ce que ça donne, et puis c'est tout quoi. Ça marche. Et on va essayer de dormir. Je sais pas si ça va marcher. Faut espérer. Et on tente.
On le tente, ce boss. Je veux voir à quoi il ressemble. Au moins que je Ouais, sache, quoi. ça va. Ok, bon, on a tout, ouais. Comme on dit. Faut y aller, faut y aller. Allez, c'est parti. Ouais, je me mettrai juste un petit coup. En plus, sur l'armure, peut-être, la rigueur, mais c'est tout. Ok, j'entends tout le lin qui est en train de dégueuler du truc, c'est parfait. C'est ça, non, Louis, on... Putain, la nuit de rêve, quoi. La nuit de rêve avec la machine qui... Je te jure. Putain, un bouton, là. Voilà, je te jure. Impeccable. Tout est oula, prêt. Ouh. Oula, c'est... On okay, s'alague, hein. Fâche. Ah ouais, je me demandais ce qui se passait, là. Alors, il faut lui faire... Oh, ça, on en a pas mal, c'est pas mal, ça. Ouais, ça en est bien. Ok, il en faut 20, je crois. Alors, améliorons le stuff. Oh pardon, je sais pas. Améliorer. Je préfère avoir plus d'armes s'il y a moyen. S'il me reste assez de lin pour ça, surtout. Tu veux faire quoi? Je vais essayer de donner un petit coup d'armure en plus sur. Pour essayer de tanker, quoi. Ah, du coup, faut que tu me dises, parce que là, je suis en train de. Soit j'utilise les 20 lins qui nous restent pour améliorer moi une armure. Non, mais vas-y, soit utilise tout ce que t'as. Après on n'a plus rien après. Non, mais il reste un peu dans un coffre à côté. T'as... Ah bon? Ouais, il reste un peu. Ce sera suffisant pour un coup. Ok, alors. Je te laisse la place, il m'en reste un. Tiens, je te le donne d'ailleurs, hop. Ok, merci beaucoup. Greg, on l'a pas construire. Putain, c'est chiant ça. Gaspille une quantité. Ok, bon, là, nickel. J'ai tout. J'ai deux trucs améliorés à 3. 89 d'armure. 144 flèches. Ça me paraît pas mal. On devrait être bien. Hein. Donc, ok, j'en ai une. Putain, qui est à fond ça. Ok, mets-toi léger. Prépare ta bouffe en évidence. On va aller au niveau du boss et on est parti. Voilà. On va dire ça, oui. C'est. Adviendra qui viendra. C'est ça. On verra. En espérant que c'était bien les totems pour l'invoquer. J'espère, putain. La déception que ce serait sinon. Ok, bah juste. Ok, j'ai tout qui est équipé. J'ai récupéré par ça vite fait. Ça marche. T'attends vers le champ dehors. Vers notre mort. Ouais, j'espère pas, mais. Bon, l'avantage, ouais. C'est que. On est. Enfin, si on meurt avec le boss, on est pas loin, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, ça, on sera c'est pas bien. Bien loin. On a une belle base, bien sécurisée, quand même. Oui, il y a des murs en pierre, pas des murs en bois. Mais ça pire un pont pour y aller, enfin c'est un peu compliqué, quoi. T'as pas, j'ai deux morceaux, c'est quoi cette connerie? Ok, impeccable. Allons-y, allons-y. C'est parti, le boss, enfin. C'est ça. Bon, allez, ouais. La conquête de la plaine pour deux monstres aussi. Ouais, c'est ça. Bon, on a réussi à bien les conquérir, quand même, les plaines, là, maintenant. Ah, on a massacré un paquet de gobelins, c'est sûr. En fait, notre prochaine étape serait de réussir à tuer un goudron, voir ce qu'il nous donne. Putain, ça, c'est quelque chose. Si ça se trouve, il donne un truc qui nous permet de faire des trucs de fou. De oh, faire putain, des bombes. Ou... Oh là là, effectivement, ça donne un de ces paquets de vie, bazar. Ah, tu l'as mangé? Bon, vas-y, t'as raison, faut le manger maintenant en plus. Tu as raison, il faut le faire parce que le temps que la vie remonte. Ouais, c'est ça, ça va être très long. Non, t'as bien fait. Parce que là, t'as vu ma vie où elle est ? Là, j'en suis à 65 PV. Tu vois. Ouais, pareil, pareil, je suis à 83, t'avais fait. Bon. Après, on voit, ça dure 30 minutes. Le buff qui dure moins longtemps, il dure 25 minutes. Ouais, c'est normal. Ok. Faire ce qu'il faut. Alors, l'instant de vérité. L'instant de vérité. On va offrir les items. J'attends que ma vie remonte encore un peu. Oui, il va falloir là. De toute façon, c'est donc pareil. Un petit coup de. En vrai, ça va peut-être monter vers 560 avec tout ça. C'est bien. C'est très cool. 40 PV. Bah ouais, d'accord. T'as combien toi? Ah bah là, en tout, 50... 159, quoi. C'est cool. Purée, le bazar là. Mais c'est fou, t'as plus de vie que moi. Ah ouais, mais là, j'ai mangé du coup la soupe de serpent. Ouais. Et du coup, un morceau de qui était un peu sec. Ok. Moi, je suis à 160.
Bah, tu m'as battu, je suis à 159. Ah, donc t'as plus de vie. Non, moins de vie. J'en ai un PV de moins que toi. Ah ouais, c'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave. Ouais. T'es prêt? Ouais, il va falloir. Pour donc, la gloire et l'humilité. Allez hop, offre les items. Alors, 7. Oui, ça marche. Ah, parfait. Oh putain. Ok, tu es prêt? Oui, ça va être... Alors, c'est parti. Ça marche. C'est parti. Bon. il apparaît là, le boss. On voit les petits trucs jaunes qui apparaissent de plus en plus. Ah, ok. Oh putain, il... Ok, d'accord. Il y a... Il y a Glut. Oh putain, la vie du truc. Oh putain, il sort du sol. C'est quoi cette... Oh là là, attends, est-ce qu'on peut le taper, là? Oh la gueule qu'il a. Oh, qu'est-ce que c'est que ce monstre? Oh putain, il va tirer un laser ou je sais pas. Oh putain. Oui, ok. Vas-y, il boule. On le canarde. Ok, j'essaie de l'occuper. Fais gaffe, le feu, ça te crame. Par terre. Oh. Super mal, putain, ouais. Oh. Ça tape du 30. Il tape du 30, le feu, à chaque fois. Oh la gueule, il m'a tiré des météores. Oh là, il faudra peut-être tenter à l'arc. En fait, il faut peut-être des potions de résistance au feu, en fait. Ou de vie, aussi. Mais ça, t'as dit que tu en avais pas, c'est chouette. Bah, en fait, il me manque quelques framboises. Oh putain, il tire un... Oh, oh là là. Putain, mais... What? Oh putain, il y a des... Oh, je suis mort. Ouais. Je suis mort. Oh bah ouais, tu m'étonnes. Oh la vache, les météores qui tombent du ciel, mon pauvre. Ouais, surtout, c'est que j'ai vu des... Oh putain, ouais. Il y a des parties rouges dans la batte, en fait. Alors, il fait météores qui tombent du ciel, un espèce de laser chelou. Il fait une aura, une nova de feu quand t'es au corps à corps. Oui. Du coup, il y a pas. Ah, oui, c'est marrant, il y a. Ah, c'est stylé. Il a explosé 46 000 morceaux de cailloux par terre. Oh, il peut sortir de la zone. Oh merde. Oh, ah, bah, oui, il peut, tu peux l'emmener à l'autre bout de la planète, hein, fais gaffe. Oh, t'es un gobelin avec lui. Oh merde. Putain, mais la taille, par contre, quand même. Oh là là. J'aurais dû activer déjà le bonus en fait. J'étais con sur ce point-là. Mais ouais, c'est quoi cette bestiole quand même, putain. Oh. Putain, c'est passé un poil de cul de ma tête. La gueule du boss. Ouais. Ok. Je pense qu'il faut qu'on arrive à récupérer nos stuff, à revenir à la base. Il faut qu'on se fabrique des potions de résistance au feu en fait. Ouais. Je vais tenter en vrai de lui tirer un peu à l'arc, tu vois. Pour l'occuper. T'as réussi à récupérer ton stuff, toi? Ouais, je vais m'occuper des gobelins qui sont en côte. Parce que moi, j'ai toujours pas récupéré. Hein. En fait, quand j'arrive, il me lance des metteurs dans la gueule. What? Il a massacré des trucs. Oh putain, oh là là. Meurs, saloperie. Oh putain. Oh, ces moustiques de clotte. Oh putain. En fait, à peine je récupère mon stuff, il me balance un metteur dans la gueule, je ferai pas. J'ai vu. Ouais, je suis un peu plus proche. J'ai réussi à l'approcher un tout petit peu. Oh, c'est l'enfer. Je vais l'occuper, j'ai fait la chèvre. Ouais, mais j'ai l'impression que ça suffit pas, entre guillemets. Ouais, c'est là, de toute façon, si tu te balances des météores, c'est sûr, c'est. Ok, mais en tout cas, il y a plus de gobelins autour de lui. Ok, bon, ça c'est déjà pas mal. Ah oui, t'as réussi à l'emmener loin, putain, il est stylé le boss en tout cas. Il est grave stylé le boss. Par contre, il fait putain de mal. Ah ouais, il est incroyable. Je pense qu'il faut absolument qu'on se fasse des potions de résil au feu en fait. Ouais, là c'est sûr. Mais je pensais pas, je veux dire, moi. C'est censé être un espèce de troll ou de gobelin. C'est moi qui récupère de la vie par contre. Oh putain, il a pété un pilier. Il a pété un pilier, c'est deux tours en la zone. Ok. Je vais revenir. Je reviens, j'y vais. Il ouvre le jeu. Ok. Ok, non, toi le gobelin, j'ai pas le temps avec toi. Ah, ça, je le vois. Ok. Oh putain de merde. Tu vois qu'il jette qu'il fait des lasers. Ah oui, il a récupéré ses PV. Oh. Mais ouais, mais j'ai l'impression qu'il régénère par contre. Ouais, j'ai l'impression aussi. C'est chiant, ça peut faire.
Il Parce que là, il va Après que je lui mets un dégât, il régénère. Putain, il est moustique maintenant. Est-ce que ça immune complètement ou putain, oh. Putain, il y a des particules partout dans la base. On est pas prêt. Hein. C'est terrible. Vous n'êtes pas prêt. Oh là, va falloir farmer du serpent de mer. Bah, surtout que attends, ouais. Parce que. Ah non, on pourrait sûrement pas. Putain, mais on le retourne à l'autre bout de la planète. Putain, je suis coincé. Merde. Jafar, je suis coincé. Je pensais pas par contre qu'il pouvait péter des pieds comme ça, quoi. Il me reste 4 HP. Je vais revenir vers la base, je vais essayer. Ouais, on récupère le stuff tranquillement. Bon, c'est bon, mon stuff, je l'ai moi. Ouais, moi, il faut que je récupère. Est-ce qu'un Ox se battrait pour nous si on. Si on l'avait apprivoisé, peut-être, mais. Parce que si on peut s'en servir comme monture, l'intérêt est un peu plus limité, mais si il peut tanker. Ouais. Ouais, il faut absolument qu'on fasse des potions de résistance au feu, on n'a pas le choix. Je vais rentrer à la base. Je vais essayer de rentrer à la base. Voilà. Ouais, toi, bon courage pour toi. Il a fait un trou à travers une montagne. Voilà, je dirais que ça, voilà. Je m'attendrai à un gros troll et en fait c'est un genre de moitié de troll qui te jette des boules de feu à la gueule. Alors, oh le bord, on est là. On n'est pas sorti. Résistance au feu. Il faut 10 orges, 10 plaques bière. Ça va, c'est facile. C'est facile, il faut juste que l'orge pousse. C'est ça. L'orge et le lin aussi, pour qu'on s'améliore des armures à fond. T'as réussi à récupérer ton safe? Mais faut que j'équipe et ouais, bon, c'est mort. Oh putain, il y a glut. Oh putain, cours. Il faut rentrer dans la base. Vite. Il va venir jusqu'à là, tu penses. Laisse passer à Barto le plus loin possible. Attends, le goudron. Barto encore. Oh merde, il est dans la base. Je pense qu'on se met en guerre, d'accord. Mon dieu, oh putain, fuis. Oh merde. Oh la gueule, il faut qu'on se casse de là. C'est quoi ce bestial, putain? Oh, je te jure. Il faut que je l'emmène loin. Oui. Oh, mais mon dieu, quoi. Putain, franchement, il va péter mon là. Comme avec les goudrons, il veut aller tuer, hein, clairement. Avec un peu de bol, il prendra des dégâts aussi. Putain, mais il a explosé tout, ouais. Il faut que je la tire super loin. Oh, bah là. Allez, viens. Il y a la trou du cul. Non, reviens là. Oh putain, vite. J'y vais. Allez. Viens, je suis là, regarde. Oh, coucou. Il a explosé la base, bordel. Ouais, c'est des murs en pierre, il les a explosés. Oh la vache. Je te jure, quoi. C'est... Des flèches de glace, peut-être, ouais, comme il est en feu. C'est une bonne question. Techniquement, il est pas en feu. Techniquement, il utilise le feu, mais... Ah, viens là. Viens me voir. Putain, mais il monte. Oh, mais monte, ton dieu! Putain, il fait des dégâts électriques à moitié aussi. Oh là, je te jure. Putain, mais il est costaud par contre, ouais, il est quand même plus dangereux que celui que t'as fait avant, boss. Ah bah, il est carrément plus dur, hein. Il nous a explosé dans la base. Il est arrivé, il a fait un trou dans. Il a explosé le pont et tout le bordel, mais il y a. Non, mais le trou. De... Putain, mais la bouteille du trou, quoi, bordel. Oh putain. Oh, mais je te jure. Je suis en train de l'amener, j'essaie de l'amener super loin et je vais essayer de revenir, ouais, à la base après. Je vais l'amener vers les goudrons. Sur qui il tire? Ce serait intéressant de voir si. Ah ouais, les goudrons. Ça empoisonne. Je sais pas si ça empoisonne ou ça maudit ou je sais quoi, mais. Mais viens. Oh putain, le bruit que j'entends, bordel de merde. Viens, mon petit. Regarde. Oh, coucou, je suis là. Il y a des météores qui tombent. Je tire une flèche dans le cul, regarde. Oh. Je te jure. Si t'as plus d'endurance, tu me dis, je peux faire la chèvre un peu. Ah, ça va, l'endurance, c'est ok. Allez, viens. Mais ouais, par là, il y avait les goudrons. Il veut pas venir. Putain. Il veut juste nous sniper avec son laser. Tiens. Alors. Non, mais ouais, c'est une histoire, c'est quelque chose. Oh putain. Ok. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses qu'il peut péter par contre la tour? Non, moi, je pense pas. Ça pourrait être une idée. Je suis en train de l'amener vers le goudron.
La tentative. À tout moment, ça part de là. Est-ce que ça va sauver la vie? Attention, météore, non? Ouais, météore. Oh putain! Putain la vache, mais il est classe en tout cas. Ah oui, Le goudron, il part là, je crois. Putain, il va où? Il revient! Eh, hey, reviens! Non, reviens, va voir. Sinon, tu vas faire plaisir à l'elfe. C'est ça. Oh non. Non, okay. La technique noire, je la traitais le pas. Oh putain, mais le truc. C'est bon, il arrive. Il saoule les goudrons. Ah oui. Par là-bas, continue tout droit. Continue, c'était par là. Mais ouais, après, c'est, il fait beaucoup trop de mal avec son feu, la piston qui quoi que ce soit. Et ouais, c'est pour ça qu'il nous faut absolument les potions. Par là. Attention, météore. Ouais, je suis mort ici, je rappelle. Voilà, c'est juste là, du coup. Putain de merde. Ah, mais le laser qui tire, bordel, quoi. Ils sont où, le drame. Là, juste en haut. En haut? Oui, c'est juste là, ah, en haut, là. Ok. Il y a une tombe là, donc ça, j'ai reconnu. Est-ce que les goudrons vont sauver la mise? Putain de merde, d'accord. C'est pas okay, possible. Les goudrons sont là, juste aggro. Parfait. Allez. Allez, oh là, c'est la druide. Oh putain de merde. Je vais pas te prendre les goudrons. Oh merde, je suis pris un météore. Oh là là, c'est va, ok, c'est ok. Oh là, il est énervé là. Ils sont les goudrons, ils font quoi? Oh putain, ils sont sur toi. Ils sont sur toi. Ok, jamais vers le boss. Putain, j'espère que ça va prendre l'aggro du boss, mais je suis pas sûr. Hein. J'espère. Attends, si, il a pété des goudrons, je crois, il est pas content. Il a attaqué, mais. Attends. Ah, je sais pas s'il attaque. Merde, non, notre plan qui tombe à l'eau. Oh putain, mais c'est électrique ça. Oui, ça électrifie. Attention, les météores. Ça fait feu, non, les goudrons, ils nous attaquent nous. Ok, il faut. Abort the mission. Rentre à la base. On rentre à la base, maintenant qu'on l'a mis loin, il faut absolument rentrer à la base. Tu cours vers la base, tu cherches même pas, tu cours. Le plus vite possible. Tu t'arrêtes jamais. Putain, mais je vais dans la direction opposée. Je vais faire le camp là, il y avait le troll, j'ai l'impression. Tu cours et comme ça on laisse là-bas le boss. Effectivement. Qu'il soit le plus loin possible de notre base. Ils ont mis une grosse musique bien métal là, si c'est marrant. C'est ça. Oh mais là tu m'étonnes, ouais. Le bordel qu'il y a. Au moins le boss est très loin. Ouais. Je m'en ai su loin du cœur. Je te jure. Ok, j'arrive vers la base, tranquille. Enfin tranquille façon de parler. Oh la vache. Il y a un trou de la taille de 3 persos dans la base, voilà. Je dirais que ça. Oh putain. Ok. Il y a encore du lin et tout, ça va, il a pas tout pété. Ok, bon c'est déjà ça, parce que putain, comment il a fait pour... Il a fait un rayon de la mort dans le truc, quoi. Moi, je sais pas ce qu'il a envoyé, mais je pense que c'est pas les météores, en fait. Non, c'est de laser, je pense. Parce que le pont va exploser. Le pont. Oh oui. Ok, par contre, j'ai récupéré le bois, donc... Une partie, hein, il y avait pas tout. J'ai encore le... On a encore l'établi? Ah oui. Hop. Ok, je suis vraiment à deux doigts de la mort, mais j'ai envie. Je suis à 9 PV. Ça va le faire. Voilà, il y a un moustique, faut. Il y a chaud. Ok. Voilà. C'est terrible parce qu'avant on pouvait se couper là très facilement avec les pierres tombales. Ah, et bah maintenant il y en a tellement. C'est cool. Ouais. Mais tu vois là où ça a été le plus concentré quoi. Ouais. Par contre, s'il se régénère, c'est terrible quand même. Bah là, de toute façon, il se régénère, mais je sais pas, ouais, il faut voir. Comment faut ça marche? Faut voir si la potion de feu. D'accord. What? Non. Il est derrière moi. Mais cours, hein, tu t'es pas arrêté, j'espère. Ouais, c'est que là, j'étais en train de me régénérer de l'endurance quoi. Il faut surtout pas s'arrêter. Cours, autant que je peux.
Parce que là, en fait, on l'a mis super loin exprès, et maintenant, il faut courir, quoi, tu vois. Ah oui, mais je sais pas pourquoi, mais mon endurance se régénère extrêmement peu vite. Oh putain, tu l'as aggro jusqu'ici. Mais non, non, non. Si, 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 je le vois. Oh oui, mais... Ouais, c'est le bouclier qui m'a ralenti, quoi. Chier. Est-ce que tu penses, par contre, qu'il tuerait les Lox? Bah, je pense oui qu'il j'en sais rien. Il tuerait, par contre. Non, je pense pas. Ah ouais, s'il ferait une météore, ce serait... Bon, il y a moyen. T'es à la base ou pas? T'es où, là? Non, 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 là, je suis loin de la base, justement. J'attire loin. Ok, ok, ok. Oh, mon Dieu. Je te jure. C'est le Ragnarok, quoi. C'est Ragnarok, y a pas d'autre mot à dire. Putain, il m'a éclaté mon beau pont que j'avais fait, quoi. Non, en vrai, tu vois, tu sais, le camp de gobelins qu'on avait nettoyé. Ouais. Et en vrai, s'il pouvait tuer les Locks, ce serait bien. On aurait... de la bouffe gratuite, quoi. Ouais, mais... Je sais pas s'il l'attaque vraiment, en fait. Peut-être en dommages collatéraux, peut-être. Ouais, c'est ça, quoi. Oh, putain, non, il m'a tué. Okay. Il y a un Lox qui m'a bouffé. Okay. Bon, au moins, il est parti de l'autre côté de la bave, déjà. Mais je te jure, quoi. Il a pété des murs comme ça, ce squat. Je te jure, il a tout pété, quoi. C'est ça, mais les espèces de griffes qui sortent du sol, il a traversé, il a fait un trou à l'intérieur. Oh putain, quoi, je te jure. Putain, mais il a... Il y a un truc là. Quoi? Attends, on va peut-être dormir parce qu'il fait nuit. On va aggro des gobelins et tout sinon. Surtout avec le trou là dans le mur. Dormez vite. Pauvre fou. Non mais je te jure quoi. Oh, non, 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 non. Je vois pas comment on pourrait faire. Attends, ton poison à la rigueur peut-être, mais ça prend un peu à tout quoi. Okay, voilà, un très montage de 5 épisodes. Voilà. Non, bah là, il faut qu'on fasse les potions de résistance au feu. Et il faut voir si en étant au corps à corps, on peut le bourrer, en fait, quoi. Oui. Voir si ça suffit. Apparemment, tu as réussi à le désaggro suffisamment loin. Le problème, justement, c'est ça, c'est que là, du coup... Je vais voir si l'orge a poussé. Oui, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir... les tonneaux, il fallait quoi? 5 bronzes, 30 bois précieux. On a un chien. Putain, c'est pas encore poussé, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas encore prêt. Putain, mais il y a des cailloux de partout. Bon, mon pont, il a déjà beaucoup moins de gueule. Hein. Il y a plus rien, il y a plus de pont. Ah oh, punaise, quoi. Il a tout déglingué, quoi. Putain. Oh, mais il est à côté de mon cadavre. Ah bah ça. Il est juste à côté de mon cadavre. Tu vas me galérer. Ça va être compliqué pour récupérer. T'en as plus de bronze du tout quoi. Je crois qu'on a pas trouvé C'est sûr, c'est pas même mis des difficultés peut-être par rapport à ce autre. Ah bah là. Ah, c'est pas juste tu prends cher, c'est de la mort. Voilà. Ah ouais, non, il faut des résistances au feu, on n'a pas le choix. En fait, j'ai découvert quand j'ai chopé de l'orge, j'ai du coup découvert la recette des potions de résistance au feu, tu vois. Et à mon avis, c'est pour ce boss, quoi, c'est logique. Qu'il m'apprenne ça maintenant, dans ce timing-là, c'est exactement pour ça. Il faut juste faire des potions de résistance au feu. Je crois qu'il y a un stuff de résistance au feu aussi. Ouais. Il y en a, okay. Ouais, je crois qu'il y en a. Par contre, il donne beaucoup moins d'armure, je crois. Mais peut-être que pour ce boss... Ça peut être valable, ouais. Ça peut être valable. Faut voir. Bon, enfin, bah, quoi qu'il en soit, là, je vais juste essayer de voir si je trouve pas un peu de... Alors, l'étain, il y en a partout, mais j'aimerais bien trouver un gisement de cuivre. Pour ça, je vais m'occuper de récupérer mon cadavre sans l'attirer vers nous. Ouais, surtout, ouais. De toute façon, il va traverser toute la base. Il va même pas s'arrêter. Bah, sinon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que c'est. T'as bon, ça change l'ambiance. Hein. T'as vu toutes les particules, la rouge et. Ah ouais, si on a fait celui-là. Ouais, ça change tout d'ambiance dès que t'arrives près du mec.
Oh, même pas, Putain, il il y me en a fait d'autres. chier qu'on n'ait pas un seul gisement ici. Ça aurait été quand même bien. Attends, Bon, c'est en quoi tout ça? cas, On a vu à quoi il ressemblait. on a vu à quoi il ressemblait, on a vu ce qu'il faisait. C'est déjà pas mal. Par contre, ouais, j'aimerais bien savoir la taille de ce machin quand il était vivant. Parce que là, c'est il n'y a que la moitié du corps. Donc tu rajoutes des jambes et tout, putain. Il n'y arrive pas même délire. Il n'y a que la moitié du corps. Ah ouais, il se traîne comme ça, tu vois, parce qu'il est coupé en deux. Non, mais ça devient. Non, mais ça devient l'enfer, quoi. T'arrives vers lui, ouais, tout le temps change. Donc, où est-il, mon cadavre? Bon, du coup, pas de gisement, là, fait chier. T'es trop bon. Ouais, ça aurait été vraiment bien qu'il y en ait un tout petit quoi qui traîne, ça serait juste suffi. Là, ça veut dire qu'il faut Voilà. encore faire des bornes pour trouver un. Oh putain, mais il y a des moustiques Bon, c'est partout. pas grave, hein. Je vais pouvoir le faire avec le tonneau que j'ai. Hein. On a quand même un tonneau dans l'autre base, mais j'aurais bien aimé en faire un deuxième. T'as eu? En tout cas, ouais, ma foi, tu pourras pas compter sur moi. 5 minutes, ouais, je pense. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, je te dis, on va s'arrêter pour ce soir après. J'aimerais bien que juste que t'arrives à récupérer ton stuff, ce serait cool. Ça parce qu'en plus, vu toutes les croix qu'il y a partout, ça sera impossible de retrouver si c'est pas. Ouais, enfin après, on peut regarder où t'es mort et sur le replay, on pourra le retrouver. Ah. Pas les deux dernières fois parce que c'était pas du tout dans. Bon, pas de. Mais ouais, on va se finir en tout cas. Pas de cuivre, malheureusement. L'étain, il y en a plein, mais le cuivre, il n'y en a pas du tout. Ah, ça, comme par hasard, un truc que t'as besoin. Je vais regarder quand même par là. Parce qu'au niveau des arcs, est-ce qu'il y aura un meilleur truc peut-être qu'on pourrait faire par exemple déjà? Bah, je te dis, on pourrait te faire un arc de drogueur, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Il Mais ouais, donc. faut qu'on aille farmer dans les montagnes de l'argent. C'est ça. C'est pas compliqué sur le papier, quoi. Ouais. Putain. Ou signe de merde. Oh là là. Si on pouvait s'acheter un spray. Au moins, l'avantage, c'est qu'il est vraiment très loin, là. Ouais, bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai pu avancer un petit peu mon cadavre vers la tour. Je vais faire ça dans cet ordre-là, comme ça, même si jamais j'ai de la grosse. Ah, j'ai Ça trouvé du devrait cuivre. être. C'est bon, je l'ai trouvé. Ok. Progression. Ça c'est déjà pas mal. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je m'attendais à un truc bourrin. Ouais, je t'avoue que je m'attendais pas à ça non plus. C'est immense, un truc bourrin, quoi. Mais Après, c'est c'est tout. génial, hein. Enfin, je suis content, mais waouh. Par contre, il nous éclate le cul. Y a pas d'autre Ouais. trop. Putain, Je mais sais de pas fou, pourquoi t'as. je m'en doutais qu'il fallait faire des potions de feu, là. Ah, ça qu'on avait parlé avant, quand on avait eu du coup l'espèce de chaman là, sur le troll. Waouh! Oh putain de merde! Oh, ça il faut que je prenne en capture des. C'est là, c'est bon. Oh là 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 Un là! gobelin. Il a fait. Il a défoncé le pilier, c'est. Putain, Qu'est-ce que tu fous, mais. toi? Oh là là, je sais même pas comment le pilier est pas tombé en vrai. Y a vraiment la moitié du truc qui est parti d'un coup. Cassez-vous là. Laissez-moi farmer tranquille. Je regarde par rapport à sa vie parce que s'il se régénère tout le temps, ça va être incroyable. Bah ouais, ça j'ai pas compris. Enfin, au début, il a perdu pas mal de vie. Ouais, il a perdu. Et après. Enfin, pas mal, hein, façon de parler quoi, mais. Et après, ouais, je sais pas, dès que je lui mettais une flèche, il régénérait sa vie quoi. J'ai pas compris. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse les bourrins en corps à corps. Nom de Dieu, il m'a vu. Il faut qu'on fasse Ok. des potions de vie, des potions de. Ah, les deux, ouais. Des potions de résistance au feu. Plus de lin pour améliorer encore davantage les armures aussi. Oui, éventuellement.
Je vais essayer de le perdre en passant derrière la tour et derrière les rochers derrière, pour qu'il me puisse plus me voir du tout. Alors c'est terrible, par contre j'étais sûr que ça pourrait marcher, du coup la technique. Oh putain. La technique du coup, tu sais, avec les. La technique avec quoi, pardon? Ça allait nous sauver, voilà. Ça allait nous sauver, on allait réussir à s'en sortir avec ça. Mais non. Oh putain, il me lâche pas non. Bon ben, ma foi. On se reverra un autre jour, là. Ouais. Oh putain de merde, oui, ben. Je vais l'amener dans la forêt noire, je pense, parce que putain, là, là. Ça va être compliqué. Alors, t'es où, là? Ah, je suis vers le camp ouais, gobelin. Le dernier qu'on avait fait, tu sais, à côté de la... Fais gaffe, tu es en train de te rapprocher d'une base. Ouh, Attends, tout le temps, c'est un moustique. Yves quand même. Oui, je vais suivre. Mais là, tu sais, c'est le camp de gobelins là qui est. Ok. Oh, saloperie. Ça sert très bien. J'ai l'impression qu'il s'est barré. Ah non, il me suit toujours. Merde. Il me suit toujours, il y a un moustique. Putain. Moustique de merde. Bon, il va radier le camp. Il n'y aura plus rien. Ah bah ouais là. Il j'ai réussi à satelliser quoi. Putain. Oh bah, il va vers où là? Putain, je le vois qu'il va vers la droite mais je sais. J'ai aucune idée. Ah bah, putain merde. J'ai l'impression qu'il va vers la base, putain. Putain mais t'es où, je te vois plus sur la carte? Bah j'étais en train de respawn mais du coup. Voilà. C'est inquiétant. Oh non. Qu'est-ce qui se passe là? Si hein. Je vais passer par les marais, ce sera plus safe. Là j'ai mon stuff qui. Oh. Ça va se faire trouver. Ok ok. C'est quoi ça? Ah ça a le temps. Oh putain, y a un troll qui m'a vu. Ok, plus que ça, tiens. C'est ça. Au moins, ça va. Ah, je sais pas. Est-ce que oui, il peut voir très les arbres? C'est une bonne question, ça. Ok, ok. Je vais oublier le boss. Il est pas trop loin du goudron. En gros, entre. C'est moi, ah, j'ai 10 est... framboises. Ok, ouais, ouais, il est à côté de son spot. Très bien. J'avais pas vu, j'avais 10. Ok, c'est bien ça. Oui, mon stuff. Bah, si là, pas juste ça. Qu'est-ce qu'il fout, il est en train de manger? Ah, oui, il est en train de manger? Il est en train de manger? Ouais. Ah, il faisait. Sans me voir, tu vois, il faisait vraiment des gestes comme s'il mangeait quelque chose. À côté, ça pourrait expliquer. Pour être gérant de la vie. Casse-toi. Je vais laisser ça fermenter. On va avoir des potions de vie comme ça. Putain, bouge. Saute. Je vais sauter. Trop explosé, quoi. J'ai plus... Comment il est connu, celui de la crypte, déjà? Celui de la crypte de... Ouais. Ah non, tu l'as pas vu. C'était dans les marais. C'était une espèce de... Un gros dégueulasse, ce gros amas de je sais pas quoi. Ah d'accord, un changement vivant. Okay, okay. Ouais. Ouais, je sais pas si j'aurais peut-être pas dit mort vivant. Oh une sale gueule quoi. Espèce de gros truc dégueulasse. Ouais, plutôt mort vivant quand même, mais une sorte de blob, moitié blob, moitié je sais pas quoi. Ça, je vois davantage, ok. Ok, ça a l'air de commencer à pousser. Ah ouais, ça c'est prêt. Ça c'est okay. Prêt. Ça c'est prêt. Ok, j'ai réussi à revenir. Putain.
Putain, truc de merde encore qui vient. Oh, il va tellement faire un cratère à notre tour s'il revient dans le coin. Oh le nom d'un chien quoi. Je ne plus, j'ai plus le nom qui apparaît sous les. Okay, tant mieux, tant mieux. Logiquement, il est parti. On espère. Hein. Ok, j'ai assez de. J'ai assez d'orge pour faire un. Pour faire un truc anti-feu. Parfait. T'es toujours pas sorti, mon. Pas une bonne idée. Est-ce qu'il reste du. Attends, je crois que ça. Ah non, c'est les plaques bières qu'il faut. Hop. Alors. Il n'y a pas ça qu'il y a toujours. Résistance au feu. Encore avec. C'est plus une os quoi. Si effectivement il pouvait tanker, ça pourrait mieux aller quoi. Ça pourrait attirer l'attention. Quoi. Ce serait cher par contre la distraction. Mais. J'ai pas mal dans la crotte au fond. Ok, il faut que j'aille chercher un peu d'étain. Déjà, je peux fabriquer ça. Combien il m'en faut déjà? Hop. 5. Ah, ok, c'est bon. Il y a 2 œufs, parfait. 5 blues. Je crois qu'il fallait juste. Ouais, il fallait juste l'avoir dans l'inventaire, je crois. Ou non, le mettre près du feu, c'est ça? De quoi? Pour les œufs. Je sais pas du tout. Je crois que c'était ça qu'elle avait dit, il me semble. Ouais. Mais peut-être attendre de faire finir le boss pour faire ça. Ouais, de toute façon, on va faire ça. Chercher un peu d'étain, juste pour fabriquer un tonneau. Ça marche, ça marche. Moi, pour l'instant, je vais ralimenter le feu de la forge. Ouais, et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Ouais, là. Au moins, on a vu à quoi il ressemblait. C'était bien le bon truc, le bon call pour le faire pop. Il a tellement éclaté les fesses, hein. C'est monstrueux quoi, lui, ah, je me doutais que ce serait pas une partie de plaisir. Ah bah, il a fait qu'à le tir. Le mot est faible, je trouve même. Ça devrait suffire. Il a quand même explosé la moitié de la base avec une attaque. Ouais, grave, j'ai eu peur qu'il la rase complètement quoi. Voilà, je pense qu'en fait, ça a tenu parce qu'il y avait la forge métal noir. C'est ça surtout qui a fait en sorte que le truc se casse pas la gueule. Peut-être. Puis qu'on l'a attiré ailleurs, je pense surtout. Après, Télima, il a pu toucher qu'une fois la base. Hein. Putain. Ça fait peur, quoi. Mais ouais, il va falloir être full stuff. Full sur beaucoup de choses, en fait. Ok, ok, bon, on est pas mal. Bon, bah écoute. C'est déjà pas mal. On est pas mal. Une fois qu'on aura les potions de feu, je pense que ça ira mieux. Déjà, ouais. Mais du coup, ça s'appelle comment l'armure dont tu parlais, le feu? L'armure de feu. Alors. Armure de feu, je crois que c'était des trucs de warg, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que tu fais là, le lutin? Je sais pas le. Ah, ou alors c'est. C'est tellement incroyable ces bestioles quand même parce que. Il y a des bestioles? D'un côté, c'est une galère qui peut te tuer. Et les lutins, tu les one shot. Ah, mais t'as réussi à récupérer ton stuff en plus, ça, mais c'est super. Heureusement. Ah, mais je savais pas trop. Par contre, du coup, ouais, là-dedans. Il est retourné à son spot. Là, ah, le manteau de Fenris, je crois que c'est ça. Résistant vs glace. Ah non, du coup je me suis oublié. Je vais chercher par contre avant. Ah si, attends. Si t'as 3 pièces, bénédiction de Fenris, l'armure Fenris vous permet d'être rapide sur vos pieds pour traverser le feu.
et vos poings ressentent la puissance de la bête, résistant vers le VS le feu. Ah, on Si tient on le a fer, les il trois fallait. trucs, par contre, ça donne 10 d'armure. Par contre, il faut des fourrures de Fenris, c'est ça, il faut qu'on ait farmé des donjons dans les montagnes. Très bien. Et C'est ça va quoi être important. la troisième partie de Fenris? Et ça donne plus 3 de vitesse de déplacement. Après, sur le niveau armure, ça n'a pas été la même chose. Ouais, du coup, Mais bon. ouais, ça donne pas grand-chose, mais... Bon, si on a déjà moins d'emmerde avec le reste. C'est quoi le dernier truc? Oui. J'aime bien, par contre, en vrai, toi, les espèces de lutins là. Parce que c'est vraiment le mob que quand tu es face à lui, tu t'inquiètes pas. C'est littéralement ça. T'as vraiment. C'est quoi, T'as un château qui c'est est attaqué par Serbe? des bandits. Et à côté, t'as deux, trois villageois qui vont se révolter un peu et tu vois, c'est tout. C'est rassurant. Ah, tiens, j'ai plus de place d'inventaire. Je sais pas ce que c'est la troisième. En fait, il faut trois trucs de Fenris. Mais j'en ai trouvé que deux. Je sais pas où est le troisième. Aucune idée. De toute façon, ouais, tous les trucs de Fenris, je crois que je les avais laissés quelque part. Dans la montagne, je crois que j'ai tout perdu de toute façon. Bon, c'est pas Ah, grave. merde. Merde alors. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. En tout cas, on a fait une Marche. sacrée session quand même. C'était Ouais. long. On a réussi à choper le totem et invoquer le boss. Ça, c'est vraiment top. Ah bon. Et puis, bah voilà, une fois qu'on aura la. Attends, t'as chopé l'étain ou pas? Ouais, l'étain, je l'ai mis dans le coffre. Avec l'étain qui était déjà dedans. Attends, quoi? Tiens, j'ai mis un peu aussi ton stuff, j'ai mis. Ah non, j'ai les pots de bête sur moi. Attends, il n'y en a que? Attends, c'est parce que. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il n'y avait plus de charbon. Ouais. Ouais, il va falloir en former un petit peu ça, t'as l'air. Non, c'est pas grave, on finira ça plus tard. Comme ça, je vais faire une deuxième. En fait, un deuxième fermentateur pour les potions. Pour que ça aille un peu plus vite. Ok, Oui, il bon, bah, on faut. va s'arrêter là. Semaine prochaine, bah, du coup, on essaye de faire les potions de résistance au feu pour tuer ce boss. Et Maintenant de qu'il vie est aussi. là. C'est Et ça. des potions de vie, voilà, on va essayer de faire full potion. Puis advienne Va que falloir. pourra, quoi. Advienne que pourra, on essaiera peut-être de le tuer au corps à corps, du coup, je sais pas trop. C'est vrai que ça Je pourrait pense peut-être que marcher, ça mais. pourrait peut-être marcher, hein, si en fait, je sais pas si au corps à corps il lance ses météores quand même ou pas. Les S'il météorites, je fait que. pense qu'il est pas lent. Ouais, par contre, son attaque au corps à corps, elle a l'air assez violente quand même. Je sais pas trop, mais on verra bien. Ah oui, mais clairement. Bon bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine en tout cas pour la suite. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bonne soirée Julien, salut salut. Big up ça. T'apprends, c'était quelque chose, ouais. Oh là là. Oh bordel.